Oh, madame, madame, vous avez de la gorge cassée? Non, c'est ma voix. Ah, vous êtes malade? Non. Putain, nique ta merde. Quoi? Il a insulté la mamounette, là. Non, on tous les deux, moi, ça capte pas. Tiens, tiens, toi aussi, nique ta merde. Nique ta merde, toi aussi. Je te rassure ou pas? Ça te rassure si on a des armes? On nique la police, ouais! Vous allez pas niquer nos soirées, hein! Quoi? J'ai eu rien à comprendre, monsieur. Non, vas-y, vive la police, on est ensemble. Non, il a dit les chickens à le faire enculer. Bonsoir, bonsoir déjà, bonsoir. Déjà pour commencer, on va procéder à un contrôle, déjà on va descendre. Oui, bien sûr, tout à fait, monsieur. Mettez-vous au trottoir déjà. Descendez ta voiture. Descendez. Monsieur l'agent, vous inquiétez pas. La voiture est en train de se plier là. Yo, pardon. What's your mind? Vas-y, viens, on y va. On va se garer. Vas-y, viens, Stephen Curry, tu vas filmer le moment où je m'achète une grosse bagnole, ok? Et après, on va faire le passage où j'ai gagné les 50 000, ça te va ou pas? Vas-y, dis-moi. Eh, Stanis, Slans, tu veux venir avec nous ou pas? Apparemment, tu m'as dit que t'étais son poteau, c'est vrai ça? Non, c'est pas encore son poteau, mais on apprend à se connaître, là il va m'héberger ce soir. Ah ok, attends, bouge pas. C'est bon, t'es son poteau. Ah putain. Ah c'est normal, c'est des allées de l'ordi. Hé, attends-moi. Mais tu vas, yo. Oh, j'en peux plus, yo. Bah en vrai, cours, hein, quand tu perds des kilos, tu peux la rattraper là. Je suis essoufflé là, j'ai besoin de faire une pause. Putain, c'est une dinguerie, t'as trop des artères bouchées, ça c'est sûr. Attends. Y'a plus rien à faire. Attends, là. Il bouge plus là, ça veut dire. Attends, vas-y, va te dire. Il fait une pause, il fait souvent ça, c'est un top. Attends, Maïji, fallait que je récupère de l'oxygène. Vas-y, récupère un peu encore. Attends, t'as dit quoi? J'ai le fab qui est bouché là. Faut que je fasse un décator. Ouais, non, vraiment, ouais, t'as le fab qui est bouché là, vas-y. Oh, t'inquiète, je vais faire full tube, je vais mettre bien. Ah, attends. Full tube là. Oh non. C'est quoi, ça ressacre qui, Starball? Je suis désolé, ça m'arrive. En fait, j'ai le problème de la branlette, ça veut dire. Pardon. Quoi? Comment? Mature voir, vas-y, Stanis loose là, je connais pas. Vas-y, on se pète, les gars, vas-y. Ah ouais, je peux monter avec toi? On fait ça où, monsieur Big Deep? Putain, t'es trop bon. Stephen Curry, ça va faire quoi? Attends, Golf 1 GTI, ça fait la merde ça. Bah, bien sûr, yo, j'ai mis un Bitcher Ball là. Ah ouais, ça s'entend. Ça souffle, hein. Ouais, j'ai mis une guêpe là, elle fait traction dans le moteur. Mais non, y'a carte aux flammes. Ah ouais, ça suit sa mère. Bah, vous allez en faire quoi de cette voiture, monsieur Big Deep, une fois que vous allez avoir votre BMW? Bah, je vais carrément la garder pour faire du sale. C'est qui l'ancien là devant là, à côté de toi, Big Deep? C'est Weasel Curry. Mais Corey Gallagher, du Weasel News. C'est pas vrai ça. Jure, présentateur du journal télé, monsieur. T'as de l'argent, toi, c'est sûr. Eh, prends son number, parce que t'as vu quand on fait du leçon dans la IF, c'est important d'avoir un gars qui peut faire des super scoops sur ce que tu fais, yo. Déjà, je vais commencer par toi, prendre ton gros porc, ça, le gros porc, va. Ah. T'as dit quoi, Mike? Non, pardon, excuse-moi, pardon. C'est un peu violent quand même. Bah tranquille, pas de galère, Maïdji. Non, c'est quoi ton numéro C'est Big Jeep, ça. Dis-moi, Maïdji, je veux te dire un truc, Stanis là. Bien sûr, dis-moi. Tu me regardes là? Ouais, ça regarde, ouais. T'as envie de prendre un 3 points dans ta mère? Oh putain. Là, tu me l'as dit. Eh, baisse ta main, parce que là. Si faut que je te fasse un 3 points, tu me dis, je recule 2 points, faute, comme tu veux. Ah, mais t'as une arme dans la main là. Eh, Maïdji, je crois qu'on est là pour enfiler des lepers ou quoi? Eh, Tarba, je crois que tu t'es carrément pris. Tu parles mon nom, l'astico. Calmez-vous, monsieur Big Deep, c'est rigolé, vous inquiétez pas. Eh, Big Deep. Non, fais pas le con, Big Deep. Ah, c'est vrai qu'en même temps, il s'est un peu foutu de votre gueule. Non, je te prends. Moi, je suis peut-être un gros là, mais c'est pas moi qui a un putain de tapis Logitech sur la langue quand il parle, fils de pull. Écoutez-moi, monsieur Big Deep, si vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ouais, mais t'as vu, moi, c'est déjà la même couleur. T'as déjà la même couleur de cheveux que le blanc, parce que tu veux pas que ta tête aille entre ses bras. Déjà. Calme-toi. Et parce qu'un peu tout choupi, ses contours mal faits. Attends, c'est pas une fausse arme qu'il a. Moi, c'est un problème de naissance. Toi, t'as le gros porc, c'est parce que t'as mangé trop d'aliments gènes. Si tu deviens comme ça, énorme. Va se calmer. Alors là, c'est un CSC de malade. Tu prends des cuillères, on dirait que t'as jamais mangé de ta vie. Donc à mon avis, c'est resté collé sous ta langue. Et là, t'as de l'huile de coude qui est en train de littéralement glisser entre tes dents. Me prends pas pour une pute, je te le dis. Comment il sait que je transpire de l'huile de palme là? C'est une dinguerie. Putain, comment c'est. Putain, je suis Big Deep. Monsieur Curry, excusez-moi pour ce petit acte. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. Je voulais vraiment pas que ça en arrive là. Je prendrai les numéros plus tard. Montons dans la voiture. Allez, monte. Tu as mon numéro? Attends, je prends mon téléphone. Hop. Non, pas vite. Numéro de Big Deep, s'il te plaît, Wico. Et le numéro, espèce d'Ahmar, Sili, 35, 44, tu m'appelles quand t'as besoin de rien, 80... quand t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles pas. Quand t'as besoin de rien, tu m'appelles. Ferme ta gueule, au téléphone là, j'ai pas déclenché Siri du bled là. J'ai capté, bordel, attends, là j'ai besoin de rien donc je peux lui envoyer un message. C'est une nouvelle mise à jour ça. Donc en gros, quand j'ai besoin, ça t'appelle pas, c'est ça? Votre livraison, peu importe la situation, big anout, Maïdji, nourriture, boisson, tu m'appelles yo, 85-44, c'est bon? Ah merde, j'ai mis 87-44, fils de pute! Attends. Tu viens de dire quoi? Non! Attends, quoi, là? T'as besoin d'avoir un verre de pulpe? Exactement! Bah oui, c'est ça que j'ai dit! Ah, je savais jouer de la flûte, je suis dans le culé, va! Yo,
Ah, tu veux que je me mette à reculer? Non, j'ai dit que j'ai envie de boire du lait. Ah, non, pas okay, côté de la station essence, oh. Monsieur Big Tips. Pendant un moment, yo, je comprenais pas grand chose qui se passait. Yo. Comment il s'appelle l'ancien là devant aussi? Cory Gallagher. Ah ouais, le nom de fou, puissant, c'est dinguerie ça, Cory Gallagher. Bon, on fait ce qu'on peut. Yo, il se passe quoi là, mon petit employé? Il fait crème, sa pause clope, hein, il fait sa pause clope. Tu prends quoi là? Tu te prends les couilles ou quoi? Maintenant, je suis carrément en train de taguer. Eh, mais tu veux que je t'encule ou quoi? Tu t'as pas ici, tu vois bien que c'est pas un point stratégique. Eh, remonte sur le scooter, je t'allume là. Pêche-toi là, ah, putain. Pas que ailleurs, là. Ah ouais, les des employés. Points stratégiques, je te dis. Les employés à l'image du patron. Tu tagues sur le coin. Vous savez, parfois, il faut avoir la main. Ne pas avoir la main qui tremble. Attends, donc vous, c'est monsieur, vous avez des endroits où ça va y avoir du monde. C'est quoi cet endroit? Bah machine oui. Maintenant, ça s'en bat les couilles d'ici, yo. Va travailler. Okay, pardon, j'ai cru que c'était pour de la pub. Va travailler, gros porc. La prochaine, je te mets dans le casque, yo. Attends, putain. Du coup, c'est calories. On s'est fait tirer dessus, là. Fais chier. Calories. T'as raison, monsieur Big Dish, faut pas vous laisser faire. Monsieur, bah ouais, putain, monsieur, yo. Comment? Monsieur Calories Gallagher. Putain, merde, pendant les chicken, fais chier, yo. Je crois, ils m'ont vu tirer, les G. Les employés, vous lui donnez la main, il vous prend le bras. Oh putain, c'est la merde. Je lui ai donné qu'un bout de gland et il m'a circoncis. Attends, c'est quoi votre numéro, monsieur Calories Gallagher? Numéro? Oui. 50-47. 50? 47. Parlez plus, parlez plus. Vite fait. On est là! Ah. Je vais t'enculer. Alors, moi, je vais te baiser. Non, alors c'est... Non, parce que... Non. Allez, t'es mort, c'est mort. Non, c'est mais mort, non, mais c'est... Mais ouais, fait un jour. Alors... Ah, je suis avec vous, monsieur Big Dip, ça c'est pas possible. Non, mais non, mais c'est pas vrai. Tu vas partir sur deux semaines, tu vas faire un entraînement boxe avec El Moujad ou je sais plus quoi. El Moujad. Tu vas pas en faire chier. T'as le raciste, toi, t'as le raciste. El Moujad, hein, El Moujad. Gros raciste. Ça se voit que t'habites à Cray, toi. Gros raciste, toi. Toujours les mêmes, de toute façon. Ah, les mecs du 60, c'est comme vous êtes comme ça, de toute façon. C'est comme les mecs du 7-7. C'est pareil. Toi, je sens, ça va être le sbeul. Ta voiture avec ton Fab boussé là, hein. C'est pas un Fabio, je suis en full tube, je t'ai dit. Ta Mercedes avec ta courroie de distribution bloquée. Mais vous inquiétez pas, je suis au courant de ça. J'ai pas envie de quitter la prison. Yo, DJ, c'est carrément Big Dis à la parole avec Sia, ma DJ. C'est pour le parleur, c'est pour le parleur. Ah, oh, yo. Ah, on est là, on est là. Oh, yo. Yo, j'ai mal, ma DJ. Oh, yo. Putain. Yo, ça va pas, vous, les chicken? Ça va et vous? Oh, ils m'ont tué la voiture en un coup. Elle est morte. Non, elle est pas morte. Comme l'autre fois, au mécano, c'était un matricule, c'est moi qui paye. Oh, c'est putain. Toujours le même. Mais après, en plus, on était en poursuite en plus, mais heureusement que. T'es un arbre. T'es un arbre ou pas? Bonne soirée, comment ça? Oh, toujours les mêmes. C'est la cave qui a fait la réparation, ouais, comme d'hab. C'est pareil. Bon, moi, tu vois, t'es pas venu pour rien, Whistle News. Ouais. T'as vu, t'as de la... Hein. Voilà. Bah, tu peux rien filmer là. T'auras autre chose de, à parler que le voile quoi. Il va faire demi-tour lui parce que j'ai coupé la route. Bah voilà, c'est toujours pareil. Oh non. Putain, ah, là, c'est grave. Monsieur Bitif, c'est pas possible. Ça fait trois courses poursuites là qu'on a. Là, je fume, je peux pas le semer, je suis désolé. Ok, vous lui direz que vous pouvez pas vous arrêter sinon la voiture tombe en panne. Quoi qu'en a, je peux le semer en fumant. Bon bah là, c'est un peu mort du coup pour l'excuse. Eh, si tu le fumes en fuyant. Improvisé du coup. Et bah, ce. Tu le suces? Bah ah, direct, bah vas-y, bah direct la sexualité, c'est grave ça hein. Ah pardon, pardon. C'est l'ouverture d'esprit dans tout ça. Bah là c'est plutôt l'ouverture du cul. Ok, pas mal celle-là, ouf. Avec là tu l'as ouvert le celle-là, cul. Celle-là, monsieur Big Dips. Ouf, pas mal celle-là. Film, oh, film, là, oh. Film au lieu de parler Gallagher. Mais terminé, je peux pas mettre la caméra dans la boîte. Film, calories, film, film. C'est ça qu'il faut filmer. Eh, taisez-vous parce qu'on fume, taisez-vous. Vous avez un problème taisez-vous. Avec les gros, hein. Parlez plus, s'il vous plaît. Fais pas le bâtard, Stan. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est verte la voiture. Ah. Voilà, parfait, yo. C'est pour ça qu'elle est verte la voiture. Bah, bien sûr, yo. Ça date en toutes circonstances, Mike. Putain, ta théorie craft carrément, t'es un après, bâtard. C'est plus un vert turquoise, là. Les gars, ouais, il a théorie craft, le bail. Je pense que t'es bourré, Mike. Après, t'es roux, peut-être tu vois en Dolby Digital, je sais pas. Pourquoi c'est, là, c'est pas vert. Oui, c'est un verre quand même. Hein. C'est un verre doyant, c'est un verre bouteille. Oui, c'est un verre alcoolique, c'est ouais, ça. Ouais, c'est un verre bouteille, ouais. Ah oh putain, qu'est-ce que c'est malade. Ça met des slalons, je pense, le permis moto. Pourquoi il y a un death run là à l'entrée du Los Santos Custom? Yo, c'est n'importe quoi ici maintenant. Ce qu'ils veulent, les gens. Bonsoir. Bonsoir. Yo, salut mes petits. Bonsoir. En santé, Stanislas, bonsoir. Enchanté. En santé, bonsoir la police, Stanislas, il nous voit en ville, voilà, bonsoir.
Bonsoir monsieur, bonsoir, en santé, salut. Ouais, c'est pas plus Stanou, Stan, Stanislouch. Ouais, tu peux me retrouver dans les rues de Beverly Hills. Attends. Beverly. Allô, ma feu. Beverly Hills. Ouais, t'es où? Là, c'est au Los Angeles Custom avec Big Dips. Je crois, c'est comme ça. Je vous attends, les gars, je vous attends. Oh merde, pour aller où? Bah, au PDM pour sa voiture. Ah, d'accord, vas-y, bah, attends, j'ai de faire vite. Vas-y, merci. À toutes, Mathieu, à toutes. Salut. Salut. Bah c'est surtout Big Dip. Alors, il est au concessionnaire automobile ou pas? Oui, au PDS, il nous attend là-bas. Dis-lui, on arrive dans un instant. Je lui ai dit, Big Dip, c'est trop fort la conduite et tout. Le nettoyage de votre véhicule. Bah non, c'est Oh, madame, vous avez de la gorge cassée? Non, c'est ma voix. C'est Xeda la guerrière. Ah, vous êtes malade? Non, c'est ma voix. Non, c'est sa voix naturelle. Et comment vous criez par rapport à genre qu'il y a un danger? Je ne crie pas par rapport à moi. Ok. Alors, imaginez, là, vous voyez un arabe et tout, avec une barbe qui vient vers vous en criant. Xenia, tu les as fait payer ou pas? Qui ça? Les messieurs? Oui, là, ici. Ah, non, merci, Jérémy. C'est le moment d'arriver, Mike Gio. Stressez-vous. J'allais dire quoi? Yo, c'est carrément les chicken qui payent. Les gars, ça va être petit à petit où on va recruter le. On va être dans le gang, hein. Petit à petit, Inch'Allah. D'ailleurs, les amis, nouvelle vidéo dimanche, normalement. Normalement, si le monteur, il attend tout monter. Nouvelle vidéo dimanche. Est-ce que je leak ce que je prépare, là? C'est un truc, c'est pas un truc de fou, en vrai, les gars. Non, bah oui, je peux le leak, je vais vous en parler, en fait. Les gars, il y a une vidéo bientôt qui va sortir. Donc, dimanche prochain. Et en gros, j'annonce... Là, je vous le dis à vous, c'est la team Twitch, en vrai, c'est pas grave. Que je vais faire une transformation physique de 4 mois. Parce que vous avez vu la box. La box, en vrai de vrai, tu prends pas beaucoup de masse. Vous voyez, en gros, là, la box, je devais perdre du poids, carrément. Donc forcément, j'ai pas pris de bras ni rien. Physiquement, j'étais gaze. Alors que la transformation physique, le but, c'est de se gonfler. Bon, il y aura un peu de box aussi, mais pour... Non, pour de vrai, les gars! Non, mais je suis obligé! Donc, avec Bilal Shkitu, on change pas d'équipe. Enfin, on change pas de. Enfin, c'est une famille maintenant, ça. La politesse, c'est important. Ça va être lourd! Vas-y, ça, on est pressé, on va te laisser! Non, je rigole pas si. Le bâtard, vraiment, je suis jeté par la vitre. Ah, ça fait plaisir de se jeter par la vitre dans un film d'action ou quoi, toi, yo? Imagine, fils de pute comme ça qui part. Yo, je pense que c'est déjà arrivé, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fils de pute qui partent comme ça. Bah oui, en commençant par ta daronne, mec qui part en couille. Yo, ta mère elle a déjà attendu un mec qui allait partir au dernier moment. 4 mois c'est tôt? Je trouve Stanislas. Non, pour ça va. Que je te connais, t'as le fils de pute facile quand même. Faudrait que tu respectes les mamans. C'est vrai, ouais, vraiment c'est trop facile. J'ai l'impression que c'est ton salope cheveu sur la langue qui te pousse à faire ça aussi. Ouais, bah vraiment c'est ça. De base je fais pas, mais c'est. Enfin, je suis né avec du coup, ouais. Attends, dans l'OPDF, c'est où ça PDF? Oh mais y'a pas d'essence, là tu revois. Le PDS. Attends, mais ça fait 3 de luxe. Ça fait 2 fois mais le plein là. Mighty, je fais 136 kg, je consomme du 25 au 100. Au bout d'un moment, il faudra que tu comprennes. 25 litres au 100, c'est énorme, t'es vraiment un halo. C'est mode sport qui fait ça. Mais attends, mais lui il doit mettre une suspension hydraulique là, tellement il est lourd parce que sinon ça touche le sol. Hein. Ah bah forcément, ça joue un peu. La voiture elle doit frotter dans tous les dodans. Heureusement qu'il y a de la suspension. C'est un mode sport tout court. Oh, pas mal, c'est la technique hein. Mais c'est où le PDS là? C'est où ça? Le PDS, sur la plage, non? C'est totalement sur la plage, c'est le Premium Deluxe Sport. Mais genre, c'est quoi le PDS? Non, ça consiste en quoi? Bah, un PDF, c'est un fichier PDF quoi. Non, S, S. Bah, c'est qu'il y en a plusieurs. Ok, ah d'accord. Mais non, mais ça consiste en bah quoi? Bah, oui, normal la conjugaison. Bah, yo, ouais. Logique. Oh, je viens de comprendre. Il y en a plusieurs. Un genre, un PDF, deux PDF avec un S à la fin. Bah, s'il en a plusieurs, bah oui, yo. D'accord. Y'a un PD, Premium Deluxe. Oh là là. Et s'il en ouvre plusieurs, quoi yo? Qu'est-ce qu'il y a, Mighty? Non, y'a rien, j'ai cru entendre un truc, mais. Non, rien. Goutte de sueur, là, je crois. Et si t'en ouvres plusieurs en pluriel, bah tu rajoutes un S, yo, c'est comme ça, normalement, Mighty. Attends, genre, au singulier. Bien sûr, y'a carrément tué mort, vas-y, go. Au singulier, y'a quoi? J'ai mon flingue. Calmez-vous, quand même. Du coup, ce qui va se passer là, eh, pour ton interview de folie, Curie. Ouais, ouais. Là, on va devoir faire. Faut que tu fasses un montage. Là, tu fais genre. Attends, Mathieu, vraiment, c'est ton restaurant? Non, non, c'est le concess.
C'est conseil de voiture. C'est ton... Ah, c'est fou ça, t'as de la raison toi ouais, en fait. Hein. Ouais. Vite fait, je vais pas te mentir. Là, je fais 2-3 ventes en attendant que vous veniez. Tu vois, là, je tapais le million là, ce soir, donc au calme. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, t'as un mec comme touche ça, d'accord. Touche pas. Non, touche pas, bien sûr, t'inquiète, touche pas. Il est malade lui. C'est si le PDS, hein. Stan, je vais te présenter un pote, tu vas rester avec lui. Et ouais. Moi et Big, on doit discuter. On a ouais, ça marche, ça marche. Tu es mort, juste je fais un petit exemple. C'est Amir ? Non, Demba ! Hey, Dembouz, my Jix, t'es le train de me râler, yo ! Tu regardes pas de nouvelles infos, quoi ! Y'a que des gros dans la ville ! LeBron James. Attends, les gars, y'a que des halouf ! Ouais ! Salut Demba, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va. Alors, Mathieu, il m'a dit, faut qu'on reste tous les deux, parce que là, en gros, ils vont faire des trucs sérieux. Et nous, on est un peu les mecs de côté qui... Waouh. C'est les mecs de côté, c'est ça ? C'est ça. Et toi, c'est Demba, c'est ça ? Ouais, c'est Demba, en santé, monsieur. En santé. Ah, monsieur Dembélé. Bah oui, c'est moi, c'est monsieur Dembélé. Putain, il faut que vous me rappeliez. Dembélé, comme le footballeur. Bah oui, parce que c'est même pas si ce gosse est au droitier. Ah, c'est pas vrai. C'est important de le savoir avant d'ouvrir votre club, quand même. Qu'est-ce qu'il veut, les tronches de bite, là ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Sadis, là ? C'est un problème ? Eh, ça passe par avec Demba. Tranquille. Ouais, tu t'appelles comment ? Moi, c'est Stan. Dembélé, mais il y a qu'une place. C'est quoi ce bordel là ? C'est quoi ce bordel, putain ? Ah ouais, voilà, je te présente la fille. C'est là, celle-là. C'est ta fille ? Moi, c'est ma fille. C'est ma fille adoptive. Adoptive. Donc, ça peut être ta femme de temps en temps. Ouais, mais faut pas dire à tout le monde. Ah ouais. Ah, il débaille ça là, c'est Dembélé. Tu veux regarder ? Bon, vas-y, viens. C'est dans des bails sombres, Dembélé. Hein. Suis-moi. Putain, tu trompes ta femme avec ta fille, c'est une dinguerie. Ouais, ça coûte 8 vitons, tu peux venir, hein. Attends, c'est pas Prince, les gars ? Où ? Les gars, c'est pas Prince ? Fille. Quoi ? Viens, je te fais bisous. Vas-y, fais bisous, papa. Viens. Oui, bonsoir, monsieur. Quoi ? Ah, mais c'est vous. Merci. Mais Prince, c'est Amir. Oh putain. Ça m'a fait crash. Oh putain, la vase. Ah, t'aimes bien. Attends. Là, tu viens de manger la bouche de ta fille. C'est bien de la calosse. C'est une calosse. Mais t'es un pointeur, Demba. Tu m'as dit quoi ? Non, j'ai dit tu donnes pas l'heure. Ah ouais, c'est peut-être pas là, c'est mieux. Ah ouais, putain. C'est cru, j'avais entendu, je suis un pointeur. Non, parce que tu es avec ta fille, mais c'est bien un peu bizarre parfois, mais... Bah non, mais c'est ma fille adoptive, hein. Donc ça passe. Ouais, ça passe. D'accord. Bah pourquoi, toi tu as pas une sœur ? Comment ? Tu as une sœur ? Oui, c'est une sœur, mais après nous c'est normal, parce que moi je viens du nord de l'Amérique. Non, dans le nord, on fait nos bails, quoi. Bah, envoie son numéro. Bien sûr, t'envoies son numéro. Alors, c'est le 50-47. Attends, quoi, les gars ? Ah, Prince, il est pas en live. Il est pas en live, les gars ? Ah non, il est pas en live. Allo ? Monsieur Dembélé, je vous rappelle, raccrochez. Ok. Ah mince. Mais ça cul ! Me tromper. 50 000 patates, yo ! Je vais m'acheter la mienne, je vais prendre du cossinet automobile. Attends, t'arrives. Bonsoir, monsieur cossinet automobile, ça va. Eh mais attendez. Ça va super, et vous, tranquille ? Vous me dites un truc ? Mais de quoi je te dis un truc ? Non, mais vous me dites un truc ! Elle a putain de ta grand-mère là. Ah, c'est pas ce truc. Mais là, j'ai l'impression de vous avoir vu déjà tout à l'heure là. C'était l'hôpital. À l'hôpital ? Oui. Comment ça, à l'hôpital ? Non ? Ah si, j'étais à l'hôpital. Oui, c'est à l'hôpital, non ? Ouais, j'étais là à l'hôpital il y a pas longtemps. Ah ! J'ai plus de cardio, tu vas me niquer ou quoi pour la suite ? Mais t'es pas Amir, toi. Manas ! Quand je veux voir la vidéo, hein, Vanna, c'est pas Amir. Moi, c'est Demba. Ouais. Amir, il est parti dormir. T'as compris, voilà. Enfoiré. Ah oui. Tu recommences. Ouais. Tu sors. Ok. Ok. Ouais, c'est deux gros différents, quoi. Ouais, c'est deux gros différents. Ah ouais, c'est ça. Bah oui, mais ah oui, c'est bon, tu parles d'Amir. Amir, c'est un bâtard, il m'a fait les problèmes avec tout le monde. Il s'est fait passer pour moi auprès des uns. Et il a dit, je vais tous les baiser aux femmes. Et après, je me suis fait baiser, je me suis fait braquer. Ah, attends, bah oui, putain. D'accord.
Là, je fais quoi? Putain, c'est fou ça. Comment allez-vous et tout? Enfin bref. Tu me dis 3, 2, 1, c'est parti. Putain, c'est incroyable. Action. Pourquoi c'est incroyable? Et tu galoches ta fille comme ça? Bah oui, je galoche moi. Attendez, restez là 2 secondes, j'arrive. Restez là 2 secondes, j'arrive. Vous êtes bien Mathieu, le meilleur. Ouais, je te dérange ou pas? Ouais, c'est vrai. Faut que tu raccroches. Comment ça, faut que je raccroche? C'est important, faut que tu raccroches. L'heure est grave, l'heure est grave. Vas-y, le. Ah, c'est le personnage de Paola? Une moto, c'est bien ou pas? Arrête. La tchouin là? Je prends une moto, c'est bien ou pas? C'est le personnage, les gars, de Paola? Arrête. Bah, j'ai pas assez, du coup, faut attendre. Paola, la salope. Les quads, c'est une place. C'est trop nul, en fait. Vas-y, une Sanchez? Vas-y, vas-y, c'est bon. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, t'es quoi s'entendre quand même que tu galoches ton daron? Bah, je suis au courant, c'est mon papa. Oh mon dieu. Oh putain. Bah quoi? Un problème? Non, y a pas. C'est mon papa. Hein. Et enfin, non mais c'est juste. Eh, pst, eh, attends, deux secondes, faut que je me concerte avec le Renault à ma droite. Salut, ça va? Ouais, toi? Ça va. Eh, viens, s'il te plaît, faut qu'on parle ici. Qu'est-ce qu'il y a? Moi dans mon bureau, on va faire l'acte de vente. En santé. En santé, rien, ouais, dis-moi. La fille à ma droite là. Ouais. Elle se fait galoche par son daron. Donc déjà, dans la phrase, il y a daron et fille qui se galochent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et en fait, elle pense que c'est normal parce que son père lui dit que c'est normal. Mais attends, mais t'as tout à l'air ou quoi, les gars, sur le serveur là? Et tu fais quoi, toi? T'essaies de la raisonner? Bah oui. Tu penses que c'est normal ou pas, toi? Attends, c'est quoi cette tenue là? Elle a un froc baissé comme ça là. C'est quoi cette tenue de merde là? C'est son daron qui l'a habillé comme ça? Mais tu sais pas son daron comment il a habillé, c'est lui le gros porc là, son daron. Bah gros, moi je pense, tu vois, c'est cette tenue, grosse fessée, tu lui dis, allez, habille-toi convenablement et tu lui mets un voile sur la tête. Tu vois ce que je veux dire ou pas, curé? Qu'est-ce que t'en penses? T'es un peu dans l'extrême. Ah oui, extrême, pas extrême, m'en bats les couilles. Ouais, non, mais je comprends, ça se voit. Vous en avez rien à foutre de la vie, quoi. Ah, j'en ai rien à foutre, m'en bats les couilles. Ok, cap. Ça s'appelle comment? Eh, viens, on parle de ta fille. T'as appelé Stanislas, toi. Exactement, Stanislas. Et t'as... Non, vous êtes fort, hein. Ouais. Et moi, j'ai une tête un peu comment? Moussiala. Vous avez une tête, vous appelez Adnan, mais à la frontière, c'est pas passé. Non. Donc, finalement, vous appelez Adama. Non. Adama, c'est pas ça. C'est comment? Jamal. Bon, c'est ouais. Adnan, Jamal, c'est pareil. Hein. Oh, c'est ouais, 15 la 000 même carrément. Putain. Bah, tu as pas assez. Bah, non, j'ai pas assez, il manque 5000 dollars. Ouais, demande à Jamal, il a la zone, lui. Hein. C'est qui, Jamal? Moi. Bah, c'est lui. Ah, bonsoir, monsieur bon, Jamal. Les deux. Déjà, remonte ton froc, déjà, pour commencer. T'inquiète. J'ai lui un boulot. Quoi? Vas-y, on vous laisse vous faire un boulot tous les deux, allez-y, faites un boulot. Bah, vas-y, fais le boulot. Quel boulot? Non, on va travailler au boulot, c'est ça qu'il voulait dire. Martin, mais vous êtes du coup, vous faites... Quoi? Non, parce que, monsieur... je veux dire les termes, monsieur Demba. Vous êtes un gros pointeur, parce que... Ça va pas. C'est un pointeur. Ça va pas. Un pointeur. Non, et un violeur, parce que... Alors. Vas-y, arrête, juste abuse. Comment ça, t'abuses? Non, Martin, il voit que non, je suis sauve. Non. Non, alors, parce que la. Non, mais j'ai dit les termes. Je lui ai dit que c'était un violeur parce que vraiment. Arrête! Mais non, ça y est, frère! C'est pas un violeur, non. Mais ouais, je vous abusais de zinzin. Voilà, un pédophile. Mais t'es un pédophile, Demba. C'est grave. Il faut t'emprisonner, Demba. Non, maintenant tu t'es trompé. Ah bah si, la fille, elle est pas consentante. Elle dit c'est mon père. Maintenant, tu t'es trompé. Attends, mais pourquoi elle a eu peur comme ça, la dame? Je sais pas. Attends, Demba, toi, dès que tu te rapproches d'une meuf, la pauvre, elle s'est finie, quoi, elle court. Ah non, elle avait peur pour son... Ouais. Bon, y'a rien du tout. Bah, je savais pas, moi. Putain, c'est grave, ça. Tu fais quoi dans la vie, Stan? Feignon, travaille pas, rien. Feignon. Mais, Stan. Oui. Est-ce que tu es sur tes appuis? Bien sûr, vas-y. Toujours? Vas-y, envoie ce que tu veux. Ah, t'es sûr? Bien sûr, on va se quitter. 180 kilos, hein. Et boum. Ah, de toute façon, m'en bats les couilles, c'est niqué. Oh putain, t'es lourd.
Ah ouais, c'est... Bah oui, 60 kilos. Ah, c'est vraiment un gros il là. Il fait son poids. Hein. Il fait son poids, il fait plus que son poids même, je dirais. Bah, c'est quoi ton numéro? Bon, mon numéro, c'est... Alors, c'est l'airdrop. Ah, donne ton numéro. Tac, je vous l'airdrop. Voilà, comme ça, des numéros tout le monde et on est bien. Voilà. Bah merci, c'est ton numéro. Maintenant, je vais te faire des pranks. Merci. T'es vraiment affreux à voir, hein. Donne. Qui c'est à moi? Attends, il y a un problème. Bon, n'importe quoi, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu as mis le tatouage là, sur la cadre? Parce que c'est. Enfin, ça me trouve les jeux vidéo, etc. Et en fait, ça, c'est le moyen. En fait. Non, mais mon tatouage, il a une histoire, en fait. Parce que, en fait, le bouton là. Il a un background, c'est ça? Il a un background, exactement. Parce qu'en fait, quand t'appuies sur ça, c'est l'histoire où ma vie a commencé. Elle s'est allumée. Ah, tu as appuyé sur on. C'est là où tout ça a commencé, finalement. Exactement. Je suis fatigué, moi, ce soir. C'est... Attends, quoi, ce musique de con, là? Bon. On va commencer. Merci au client fidèle. J'aime vous. Vous désespérez, madame? Quoi? Oula. Vous avez fait peur? T'as dit quoi? Bah ouais, t'abuses. Pourquoi t'abuses? T'abuses. J'abuse de quoi? Je sais pas, tu dis des mots de fou un peu là. Des mots de fou? Ouais, tu dis des mots de fou. Je sais pas, il s'est passé quoi dans ton crâne? Mais non, c'est pas des mots de fou. Si, c'est des mots de fou. Ben non, mais faut dire les termes. À un moment donné, ton père, bah c'est ce qu'il est. C'est pas trop la voiture. C'est juste que t'as pas dit quoi, trompeur? Ton père, c'est ce qu'il est. Tu pouvais peut-être lui avancer, non? C'est juste que t'as pas. C'est normal parce que t'es. Enfin, c'est compliqué. Faut juste que tu parles avec son père. T'inquiète pas, y'a pas de soucis. Ok. Il faut pas banaliser ça. Justement, il faut. Ouais. Non, banaliser les gens comme ton père. Il faut les emprisonner. Ouais, mais tu vois. Tu parles bien de mon papa, s'il te plaît. Non, ton père, c'est un pédophile. Il faut l'enfermer. Mais arrête! Non, mais ton père, faut l'enfermer. Mais... C'est grave. C'est mon père adoptif. Ça reste un... voilà. J'ai 20... Comment? Bah oui, j'ai 26 ans et moi j'ai 52 ans. Oh! Bon, allez, je pars. Hein. Reviens. Non. Je vais m'occuper de toi. Reviens. Non mais les gars, ça va. Vous avez combien d'argent, monsieur Bikip? 135 000 €. Viens. Attendez. Non, attends, t'arrives. Viens. Non, reviens. Excusez-moi, mais. Ça te fera 137 000, il m'a astraté. Demba, c'est un pédophile! Non, il te restera. Yo, qu'est-ce que tu racontes, toi? Stanislas fait un grand air, monsieur. Qu'est-ce que tu racontes, Stanislas? Non, mais Demba, il embrasse sa fille et il fait des bisous. Ah, il embrasse sa fille, mais comment ça, yo? Il est fou, non, mais. Mais du coup, c'est inceste. Ah, l'inceste, voilà. C'est le mauvais terme, yo. D'accord. Mais c'est grave, hein. Et sa fille, en fait, elle pense que c'est normal. Écoute, tu peux me dépendre, toi. Filmez-le, c'est lui. Moi, je vous ai fait le virement déjà d'aujourd'hui, vous savez, pour le truc. Putain. Tu arrives à me porter, tu arrives. Qui sert à quelque chose. Ah putain, un gros sac à dos, là. J'ai un gros glaçon sur la tête. Un gros glaçon. Voilà. Tu voulais un véhicule? Alors écoute. Ça, la dernière fois, tu utilises des termes comme pute ici, t'as compris? 360. Pas chier, nous raconte pas tes conneries. Tu vas aller mettre un putain de froc qui cache ton vieux cul plat. On est d'accord. Merci. T'as un dos prolongé genou. Merci. Mais qui t'a demandé de regarder mes fesses même? Personne. On t'a demandé de s'exposer comme un tableau en pleine galerie, ton vieux qu'a vu. Les tontons. Ouais, regardez. Oh non! Putain, heureusement que t'as rebondi sur ton ventre. Ah, je suis tombé sur ma cheville, c'est bon. Pardon. Je suis des carnages. Désolé. Oh là! Mais c'était pour la king. Attention, le finishim. Attention, hop là. Ah, encore un environnement, 10 000 en espèces. Ouais, 5 000 en virement, yo, s'il vous plaît. Les ouais, mais qui dit 5 000 en virement, dit 10 000 en espèces. Oui, promis, tonton, je te les donnerai. Flop. Et c'est moi qui te fais le virement. Plutôt moi, mais carrément plutôt. Personne m'a rattrapé, les gars. Oh non. Mais Dembouz. Dembouz. Oh, pardon, yo, pardon. C'est des gros, c'est quand même. Ça y est, je veux dire quelque chose. Il y a des météorites. Eh, mais en fait, il y a trop gros, là. Vite ma mère, faut que je mette la musique. Je veux bien être un ancien. Mais t'as vu ta paire de TN, va falloir la changer.
Bah pourquoi? Ah, je peux même pas te la faire, je peux même pas te faire le ouais, en ce moment il y a une méta gros, c'est vrai. Pourquoi tonton Yo? Parce que je l'ai déjà fait, je sais pas, véritable. Ouais. T'es en train de muter le rouquin là, tu pues de la gueule, tu viens, tu me souffles sur le zen. Mais comment tu sais, attends deux secondes. Si tu me fais là. C'est carrément pas cool. Ah ouais, c'est vrai, c'est plus en pue de la gueule. Ouais. Attends, écartez-vous, si écartez-vous. Si je te fais le virement, tu peux. Ah non, merde. Écartez-vous de cette instance. Arrêtez les gars, arrêtez, pourquoi? Écartez-vous, ouvre la bouche, allez hop, détartrage, vendre ma grand-mère. Allez hop, là, chebou. T'as bout de salade là, c'est la canine, mets-toi sur le côté là. Oh là, c'est bon, Majid. C'est des faux cabos. C'est des faux cabos. J'ai la ref. C'est des faux cabos. Il s'est fait nasqued. Attention, il y a l'escargot. Attention, saute, il y a l'escargot. La zone est minée. L'escargot garde une éponge. La zone est minée. Bref, pour le coup, ok, ma puce. Alors, vraiment pas. Ça va, ça va. Tonton Monarès, tu fais le virement, je pense pour là, tu revois qu'il va me vendre ce mort. Ouais, il va te le faire. Non, je peux pas, j'ai déjà fait. Les gars, j'oublie que t'as un bordel comme ça. Tu dois lui faire 5000. Eh, vraiment, le big. 5000, les gars. Je fais le maximum, mon petit chemin. Dembous, tu peux pas me verrer 5000, je te donne 10 000 en liquide, Maïdji, c'est vraiment bon. Non, j'ai plus 5000. Ah, t'as déjà fait le virement, toi à la dame. Oh, non, moi j'ai, mais j'ai 4000. Ah, c'est désolé. Ça, le PDG, va, pourquoi je lui verre 5000 à elle? Vous n'avez pas Wahda en vous, hein. C'est grave, ça. Parce qu'elle a comme elle a pillé, on dirait une Kayara, là. Elle a une bite. Ouais, mais sûr, je te fais un virement, moi, on va là-bas. Ouais, bah il peut pas le virement. Non, on peut pas faire le virement là-bas. C'est une gomme. Non, mais attends, là, tu peux lui faire ou pas? Dis-moi. J'avais une question. Ouais. La meuf, c'est ta meuf? La meuf qui? Ah, c'est mon cul là. La noire? Ouais. Non, c'est la meuf de son père. Ah, je pensais que c'était Vanny. Elle là? Vous avez de la vie, ça va pas ou quoi? Je sais pas, je me suis dit. Ça va pas ou quoi? C'est fou ou quoi? C'est fou ou quoi? Elle aurait pas un froc comme ça. C'est fou, même ici, elle. Minimum de prestance. Je me suis dit, ça va peut-être se relâcher parce que voilà, ici c'est pas là-bas, tu vois. Ça va pas ou quoi? T'es malade ou quoi? Non, je sais pas. J'aurais pris une arme, j'aurais tiré dessus. Non, t'aurais sorti une arme. J'aurais piqué. Ah, pourquoi? Elle a la même voix? Oh non, je connais pas la voix en fait, moi. Attends. Eh hey, madame! Tu connais pas la voix, moi, c'est pas le revient. Madame? C'est 8544 des poses. C'est quoi ce tatouage là? Où ça? Ouais, Mathieu, putain, on attend, bordel. C'est mon tatouage de. Yeah. Allez, les gros! Je vais avancer! Et ça fait plaisir! Yo! Et toi, à chaque fois, tu m'imites là, tu veux que je t'embrasse? Ouais, il veut quoi? Désolé, pardon. J'ai toujours rêvé d'être gros comme vous. Appuie sur le bouton, il a un bouton, il a un bouton power, appuie. Vas-y, moi c'est bon. T'es trop lui dans là. Parle mal, salto sucière. Oh putain, mais c'est fou quoi. Ouais, je te le dis. T'as kiffé. Tranquille hein. Ouais, faut faire la tenue à Minata. Yo, j'arrive. Ah, c'est Kevin, merci pour 13e mois. Merci, mon maman. Il faut s'occuper de la. On dirait un joystick. Ah ouais, je crois que. Fais-moi. Ça veut me faire ou quoi? Espèce de télécommande, va. T'as une tête de télécommande. Ah ouais, je vois que vous êtes dans la quelle. Ah, vous êtes dans la selle. Pourquoi t'aimes pas? Vous êtes dans la selle, j'ai capté. Dans la quoi? Dans la selle. C'est la selle. La selle, ça veut dire elle, mais dans ic. Ouais, donc c'est là, dans laquelle, genre, vous êtes dans laquelle? J'ai capté. J'ai capté, ouais. Mais c'est laquelle, Zozo? T'as capté, feu sur la langue, big feu de. Big poil de Goku sur la langue, t'as capté ou pas? Big poil de yuck sur la langue. Toi, ta voix, elle est vraiment stylée par contre. Ah, je sais. T'as une voix un peu comme dans les films. Comment? Ah ouais. Je t'appelle comment? Stan. Tu peux m'appeler Stan? Stanou. Ouais, appelle-moi Stanou, t'inquiète. Non, Stan. T'inquiète, appelle-moi Stanou. Commence pas à nous, y'a pas de. Putain, nique ta merde. Quoi? Non, pardon. Il a insulté la mamounette là. Non, pardon. Juste redis. Vas-y, insulte notre mamounette. Nique ta mamounette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais faut pas dire ça, tu es fou! Maintenant, c'est moi, tu es mort! Esquive, tiens! Tu es fou, pourquoi je me laisse faire ou quoi? Vas-y! Pourquoi je me laisse faire? Vous êtes fou quoi? Je prends vous deux, hein! Pas parce que vous avez survécu à des maladies de fou! Ping-pong, ping-pong, mon frère! Que moi! Attends, qu'est-ce qu'il a dit, ce clip? Il a dit quoi? On a survécu à des maladies de fou! Moi aussi, je mange deux bananes tous les matins! Vas-y! Ping-pong, ping-pong, mon frère! T'as capté? T'as capté? Prends tous les deux, moi, t'as capté ou pas? Prends tous les deux, t'as capté?
T'as capté ce que je dis ou pas? Vas-y, bon, prends ça dans ta gueule, ouais. T'as capté? Parce que tu me racontes, Ron Weasley. J'ai été entraîné par Khamzat Imakov. C'est un. Mais pousse-toi, c'est un... mon frère, okay. Putain! Chien, toi aussi, nique ta mère! Nique ta mère, toi aussi! Oh oh t'as pas d'emba, espèce de sale kleps! Il rebondit sur. Il cherche la bagarre! Excuse-moi, demain, toi, tu cherches la bagarre! Tiens, arrêtez! Tiens, je te pique au foie, tiens! Pardon! Hop, maintenant, je me barre! Stan, il y a tous les noirs sur toi! À l'aise! À l'aise! Mais je mets, attends, mais on est sorti du Fabrice Bruel derrière. Fabrice, attendez. Lève-toi, lève-toi, vas-y. Oh, la patate, la rapidité, ça. Mais putain, mais c'est beau ça, hein. C'est beau, hein. Je me suis battu au moins 14 fois dans la soirée. Merci, moi. Mate, merci. Elle, l'English. Ouais, dis-moi, Stanislus. T'as pas un steak de cheval ou quoi dans, entre tes cuisses, entre tes... Mais pas comme ça, parce que tu auras autre chose dans la cheville. Monsieur Big Deal, c'est bon, vous avez la voiture? Ouais, ouais, non, c'est capté. Tu veux pas te lever en deux spies? Non, même pas, je suis bien là, en vrai. Hein. T'es yam? On est à la bouche gonflée, je trouve. Non, je posais sur ton ventre, tu connais. Et juste en deux spies, il est dans l'islas. Fouille ma poche et regarde en haut à droite. En haut à droite, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai capté. T'es quoi, t'as... Mais touche pas! Mais touche pas! Trop tard. Yo! 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 Il va manger ma grosse claquée, yo! Ah putain! Ah putain! Belle chute, monsieur Stanislas. Ah putain! Yo, my dieu, tu vas manger la table, yo! Je vais comment pour m'empresser? Non, mais t'es un fou, quoi! Je suis désolé. Arrête, pardon! Désolé, je suis bêtise. Attends, je vais essayer de me faire vomir. On le fera après plus tard. Ah, vas-y, on se tient, vas-y. Yo, 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 yo. On va tourner la dernière scène. Les bonsoir. Ah là là, on fait un film. Bonsoir. Un film. Vous êtes intéressé par cette voiture? Non, j'ai la même. Ouais, j'ai le modèle au-dessus. D'accord, mais après, c'est une composition qui est différente. On est sur une Pagani GTRF, d'accord. Donc là, on est sur le V12 atmosphérique. D'accord. Donc c'est un V12 qui est limite imbattable, hein. 700 chevaux. Comme je vous ai dit, ne perdez pas votre temps, j'ai le modèle au-dessus. D'accord, 1200 Nm de couple. Donc voilà, on est sur un véhicule qui alors, est... Comme je vous l'ai dit, ne perdez pas votre temps, j'ai le modèle au-dessus. D'accord, le modèle au-dessus, c'est-à-dire lequel? Mais il est garé devant, venez. En Spider ou... Parce que si, vous verrez. Oui, allons-y. C'est un bon choix de véhicule, ça, c'est des beaux véhicules, puissants et fiables. Merci de pouler chill pour ça, merci Samy. Heureusement, t'aurais déjà traversé une époque complète. On a beaucoup de chance. T'habites où? C'est sûr, on a beaucoup de chance. C'est des véhicules. Déjà, c'est les Bloods. Contrairement à l'Afrique où on roule en brouette en Afrique, bah ça ouais, change. Ouais, hein, parce que... Ce qu'il raconte, lui, Ron Weasley, tu vas traverser une époque complète, toi. C'est fou. Nous, on a des véhicules motorisés et puis ils viennent dans notre pays pour. Oui. Ça, quoi wow. Alors, je me dédouane de tout ce que vous venez de dire. Moi, je me douane, hein, voilà. Ok, vous vous douanez, d'accord. Genre, mais oui, du coup, c'est le véhicule juste là. C'est vous qui écoutez cette musique là? Oui, juste en face là. C'est vous la musique? Non, pas la musique. Ouais, c'est un V... Un V8. Non, comment? C'est pas un V8, ça? Regardez, non, regarde. C'est totalement un V8. Hein. Je suis sûr que vous pouvez jouer. C'est totalement un V8. Vous savez pourquoi c'est pas un V8? Les gars, c'est un V8! Pourquoi? Parce que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur, vous avez dit? Oui. Comment ça? Bah vous êtes le meilleur. C'est-à-dire? Bah vous êtes le meilleur. Les gars, c'est un V8 ça! C'est-à-dire? Bah, regardez. Oui. Quand quelqu'un estime qu'il est le meilleur. Ouais. Il valorise quelque chose. Oui. Il se valorise lui-même. Oui. Et moi je valorise ma voiture. Montez dans la voiture. Ouais, d'accord, ok. Et je vais vous mettre le contact. D'accord. Allez-y, montez. Merci. Fermez le capot, s'il vous plaît. Ok. C'est fou, ça. Et faites un tour. Non, c'est pas vrai. Vous me laissez faire un tour dans votre V8 atmosphérique? Faites un tour. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est bien plus. Ah oui, non, c'est pas une voiture. C'est une sensation qu'on achète. Oh, mon Dieu. Waouh. Mais attends, mais c'est incroyable. Oui, en effet. Ah oui. Oh, c'est beau, hein. Oui, en effet.
t'as les pneus comme ça là en pneus pluie là, c'est fou. Hein. Pneus pluie, ouais, c'est des pneus pluie, ouais, ça se ressent. Les gars, on arrache tout ou quoi là? Comment? C'est mon majordome qui gère ce genre de choses. Je ne connais pas de choses. Non, c'est magnifique. Hein. Vous connaissez la boiserie ou pas? Oh, vous habitez. Comment? Vous habitez ici? Non, non, du tout. Vous connaissez la boiserie ou pas? La boiserie, non. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer, c'est quoi? Excusez-moi. Ah putain. On va la guérir. Alors, alors, si je ne m'abuse. Oui. Je crois qu'il manque une porte. Ah bon? Oui, si je ne m'abuse. Vous êtes sûr, hein? Ah, je crois que Parce que moi j'en vois deux. Ah bah non, non, bah je me suis abusé, il en manque deux. Moi, c'est ça, moi j'en vois deux. Personnellement. Oh pardon. Ah bah oui. Bah, excusez-moi. Les capots, c'est surfait, hein. Comment? Les capots, c'est surfait. De quoi vous parlez? Oui, non, c'est surfait, c'est surfait. À quoi faire un capot? Comment on va voir le V8 atmosphérique? Oui, oui. En effet, oui. On va la guérir, hein. Ouais. Je pense que c'est mieux. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est mieux, oui, en effet. Vous êtes monsieur? Galloway. Monsieur Galloway. Si c'est pas indiscret, vous travaillez dans quoi pour sachez de ce genre de véhicule? Je suis investisseur, j'ai Human Labs. Ah, la famille Galloway. Galloway, j'ai le Human Labs, les docs. Faites partie de là-bas, de la famille? Enfin, la famille, on est un couple, quoi, oui. C'est pas une famille, quoi, on est. Ah, vous êtes un couple? Un couple gay? Non, c'est moi et ma femme, quoi. Parce que d'ailleurs, j'ai vu un homme qui faisait partie de la famille Galloway. Bah, c'est moi. C'était vous tout à l'heure? Où ça? À la mairie, devant la limousine, mais non, c'était pas vous. Bah, enfin, c'est mon majordome. Ah, un cheveu blanc? Il est vieux, il est Léon. Oui, c'est Léon, oui. Oui, d'accord. Et c'était un noir qui conduisait la limousine? Mon agent de sécurité, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, Edmund. Et oui, donc d'accord, investisseur. Oui, en quelque sorte, et j'ai les docs aussi. Ah oui, d'accord, vous êtes quelqu'un qui pèse... Non, j'ai hérité. J'ai hérité beaucoup de choses. Merci Dachi pour le Prime. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors moi, moi, il faut savoir que mes parents étaient aussi très terroristes, la famille Bill Boulette. Donc c'est beaucoup aussi héritier, mais je... Ouais. Oui. Ma famille a aussi un beau patrimoine, donc possède pas mal de choses. Mais là, en ce moment, je fais rien. Fainéant. Je travaille pas. Rien. Je me promène. Vous venez dans la rue? Je me promène. Fainéant. Rien. Je travaille pas. Rien. Je vois ça. Vous venez... Fainéant. Rien. J'avais saisi, je crois. Rien. Fainéant. La première fois que vous l'aviez dit... Fainéant. Je vais remonter avec ma... Votre épave... Enfin, votre voiture, pardon. Votre voiture. Avec ma... On se prend nos numéros? Non. Ok. Non, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Du coup, on se dit au revoir. Adieu. Adieu. Ok. Ok. Je pense que vous pouvez peut-être disposer. À la prochaine, peut-être. Non. Non. C'était un adieu. Non. C'était non. Sans doute jamais, je pense. Genre, ok. Quand on se voit, on se croise pas du regard, quoi. Vous pouvez y aller. Ouais. Ok. Au moins, ça le mérite d'être clair, hein. Ouais. Vous pouvez vous en aller. Ouais, je m'en vais. La porte là-bas. Ah. La porte. Non, allez-vous-en. Ouais. Non. Ouais. Ok. Yo. I'm back. Mais non, mais vous avez plein de Zeyo sur votre cou. Je suis de retour, les amis. Vous auriez acheté une super Turvo avant moi. Non, nous, c'est pas la voiture, nous. Mais ça, c'est une Turvo. Elle sert juste à frimer, hein. C'est tout, yo. Je vais pas faire du loss avec. Hein. Eh, c'était plein de voitures, à Mathieu. J'étais plein de voitures. Allez-y. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, yo? Oui, il veut quoi, lui? Je t'ai ramené des clients, Mathieu. Ça va ou quoi, Stan? Ça va tranquillement, je t'ai ramené plein de clients, là, regarde. Vas-y. Les gars, c'est vos voitures. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Tu perds quoi dans la Yves, là? Une clé pour tonton Nas. Une clé pour tonton Monaïch. Et une clé pour Dja-Dja. Dja-Dja, oh, Dja-Dja? Ouais, bien sûr. Regarde, il est derrière toi. Oh, catch on my baby, tu jettes ça, c'est ça. Personnellement, moi, j'ai pas eu de clé, moi. Ouais, t'inquiète.
Bizarre, c'est bizarre cette histoire. Yo, et moi je peux pas avoir deux clés. Ça les gars là, j'ai passé le big. J'ai travaillé aujourd'hui les triceps, c'est le dos là. T'entends mon H. Les gars, en vrai, en deux jours. Dites-moi si j'ai pris de la masse, la musculaire. Putain, on attendait que ça. Regardez les gars. Ça, gars, en vrai, en deux jours là. Comment ça un peu à. Attendez, on m'appelle. Rien du tout ça? Bande de bâtards. Matthews. Ah ouais? On s'attrape au quartier. Allo? Allo, bonsoir, c'est qui? Ouais, c'est Demba. Ouais, Demba, comment ça va? Ouais, tu es où? C'est au véhicule. C'est au conseil, c'est avec Mathieu là. Ok, parce que j'ai bloqué la femme au bingo. T'as bloqué la femme au bingo? Ouais, elle est enfermée. C'est bien, c'est bien. Ouais, bah il faut venir, mais c'est déjà Mathieu de venir. T'as entendu Mathieu? Ouais, je fais juste ma vidange de vente et j'arrive. Vas-y, il fait juste une vidange et il arrive. Fiche de vente. Une vidange de vente. J'ai pas compris ce qu'il raconte, Fignon. Rien, travaille pas. Rien. Quoi? On arrive. Mais ah ouais, c'est trop bien. Et c'est ton travail du coup? Ouais, c'est mon travail, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais toi, Mathieu, à côté? Comme hobby, activité. En vrai, on est là, on ramène l'argent. Hein. Ok, mais toi, t'es dans le propre, c'est bien. T'es pas dans le ça. En fait, je fais du sale, mais proprement. Ah ouais, c'est. D'accord. Et toi, c'est comment? Moi? Rien. Travaille pas. Feignant. Rien, je me promène. Non, mais t'es dans le ça aussi ou. Et rien, je me promène, rien, feignant, travaille pas, rien. Ok. Attends, je repousse la fiche de vente, après on va le chercher, d'accord. Vas-y, ça marche, vas-y. Il manque juste la petite plaque là. Tu dors vers quelle heure, t'en sens normal, le Mathieu? Plus ou moins? Ouais, tard, hein. T'as vers d'or, tard, combien? Là, je suis jusqu'à 3h, 4h du soir, hein. Arrête, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Ah ouais? Ouais, ouais, je te jure. Ah, c'est génial. Bon, moi, pareil, hein, pareil. Ok, bah ça va, alors c'est bien. Ah bah ça va être trop bien. T'as déjà braqué ou pas? Messieurs, vous parlez fort, attention. C'est toi, t'as les oreilles qui écoutent bien aussi. T'as pas besoin d'écouter, hein. Eh ben, j'écoute si tu veux, si j'ai vu en fait. T'as vu mon Mathieu? Ma main me casse la couille. Mathieu. PDM, j'écoute, bonsoir. Oh, ok. Ah bah, t'es les clients. Bah, j'y suis là. Eh ouais, j'y suis là, ouais. Comment allez-vous? Super. Mais ça va très bien. Dites-moi donc. Demain, je voudrais acheter une voiture. Une voiture? Ouais, oui. Bien sûr. J'arrive. Ne bougez pas, d'accord, monsieur. Ne bougez mais pas, allez, je suis là tout de suite. Viens, Stan, viens. Après, j'allais te dire concernant ta question. Vas-y. Par rapport à ta question. Tiens, conduis. Ouais, vas-y. Conduire ou pas? Oui, bien sûr. Stop. Ok, va chez Demba et moi je fais la vente en attendant. C'est bon ou pas? Ok, ça marche. Tu sors sur la droite. Par rapport à la question que tu m'as posée. Ouais. Pour te répondre, bah. Si tu veux. Mais comment ça, si je veux, t'as déjà fait ou pas? Bien sûr. Ok, ça marche. Vas-y. Va voir chez Demba, après on fait un truc. Vas-y, ça marche. Allez, bon. Monsieur, vous voulez acheter quoi? Une voiture pas chère. Ah ouais, j'ai capté ce moment-là, ils sont dans laquelle? J'ai capté les gars. L'ego de réunis, hein. Ouais. Demba, il va se prendre un coup de pare-choc que sa grand-mère. Y'a pas la Demba? Allo? T'es où? Ouais, j'arrive. Celui-là, j'arrive. Quel bingo, t'es où? Bah, vous êtes où? C'est au bingo là, bingo à côté. Ouais, quel bingo? Bingo à Little Seoul. T'es bah où? Non, toi c'était pas celui-là, du coup c'est bon, je récupère mon véhicule. Mais t'es où là, c'est où? Bah, j'arrive à Little Seoul, c'est bon, j'arrive. Sur LTD. Vas-y, go, on s'arrête au LTD. Ouais, ok, on s'arrête là-bas. Vas-y, mets-toi au niveau de la papa essence quand ça se récupère. Ok. Vas-y, mais reste debout, genre. T'inquiète, t'arrives. Ok. À tout de suite.
prendre un coup de pare-choc, les gars. Attends, Demba ? Ouais. Mets-toi à la place de ma voiture pour voir la lumière que ça... Attends, parce que... Bon, regarde, mets-toi là, ici, là. À la place de ma voiture. Bah, ok. Tu veux que je regarde quoi ? Non. La lumière, tu veux prendre photo ? Je te... Regarde, je mets les phares sur toi, ça, c'est trop stylé, en vrai. Hein. Ok, mets photo. Ouais, en vrai, c'est bon, là, c'est bon. Attends, t'arrives. Ah, t'es sûr ? Wow. Tiens, ta grand-mère, tiens. Pervers, agresseur. Tiens, c'est ça qu'on fait, nous, aux agresseurs sexuels. Ah, ça t'a rien fait, allez, monte, vas-y. Ah. C'est ta voiture, ça, elle tue ta mère, elle est incroyable. Ah oui, c'est ma véhicule. Mais attends, mais elle est super. Ah, tu aimais ? Elle est incroyable, elle est vraiment super. Hein. Ah, mais je vais pas la garer ici, je la garer ici. Bon, non, bah sinon, ouais, sinon on se pète là-bas au PDS, vas-y, on se rend là-bas. Ouais, ok, je te suis. Vas-y, à dessus. Bah, doucement. T'es pas vu ? Fini. Ah putain. Ah putain. Il t'a niqué, tu t'es fait niquer. Ah ma tête. Aïe. C'est une voiture de Uber là. Petite balayette. What the fuck? Les gars, vous entendez le bruit là? C'est le bruit du pot d'échappement alors que c'est un véhicule électrique. Ah, c'est hybride. Mais non, tu as niqué le véhicule? Non, mais pas. Bon. Non, il est paniqué. Ah, si, tu. Ouais, tu as paniqué, ok. Non, il est paniqué. Ouais, mais attends. Moi, je vais. Attends, j'arrive, je réfléchis dans ma tête. Les gars, là, si vous me voyez fatigué, les gars, c'est que je commence à l'être. En fait, vous voyez, quand je streamais pas là pendant longtemps, j'avais une routine. Je me couchais à 23h30 et je me levais à 9h. Ça veut dire que là, ça me fait bizarre là, d'être encore réveillé à 1h20 du matin. Après, c'est pas grave. Petit à petit, les gars, le but, c'est de se décaler et de se réveiller à 15h et dormir à 6h, en gros. Là, pour moi, les gars, là, je lutte là, contre la fatigue. Mais je me dis, vas-y, c'est le premier jour de stream, de la reprise. Il faut que je vous régale un petit peu. Mais en vrai, dès que je suis KO, ça va, dodo. On va s'adapter, ouais, exactement, on va s'adapter. Demain tu live? Ouais, tchala, demain je live. Et en fait, je suis dans la fin de ma maladie là, de la grippe là. Donc ça veut dire. Je le sens encore un petit peu là. Mais ça va, ça bientôt fini. Je vous dirai, c'est quand le live horreur, les gars? Peut-être dimanche. Y'a rien à faire ici en fait. Il doit s'ennuyer, t'es allé fou, Mathieu. Et donc, c'est ça ta vie, Mathieu? Vas-y, Stan, on va y aller là. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, toi. Je fais juste une petite vente. Attends, je fais juste une petite vente. Là, je te vois pas parce que j'ai la tablette devant moi, c'est pour ça. Ah, tu me vois pas, ça peut être partout devant toi, derrière toi. Tu me vois pas, Mathieu? Non, je te vois pas. Ah ouais, tu me vois pas du tout, genre. Une cagoule, comme ça, s'il y a un braquage, bah j'ai la cagoule. T'inquiète pas.
Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tes paupières sont lourdes, très très lourdes. Tu commences à t'endormir petit à petit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Attends que je finisse ma tablette, le mot que tu vas voir. Ah d'accord, attends, vas-y, ça marche. J'ai dû le baiser ses oreilles. Parce que... Demba, il est où? Viens, on y va. Il est là-bas, Demba, il est là. Demba, Demba, viens, Demba! Viens. De quoi? Demba, on se capte après, on a des trucs à faire là, ça marche? Ah, ok. Vas-y, beau gosse. Vas-y, à... Oh, le pauvre, et pourquoi c'est... on le laisse là? Parce que lui, il doit faire des ventes, c'est un feignant. Feignant, rien. Ouais, moi, j'ai déjà fait 3 ventes là. D'accord, j'suis, attends, mais. Je suis long. C'est ton garage? De ventes que... Bah, limite, hein. Ah ouais? Ah, c'est ton quartier? Ouais, c'est ici, ouais. Arrête, c'est incroyable, c'est trop stylé. Ouais, c'est stylé. Mais attends, mais on dirait un peu un mood de Londres. Ouais, ça fait un peu gay là-haut. Et là, c'est ta maison, viens. Quand tu dis c'est ma maison, genre c'est ma maison? Non, je suis bien là, je suis pas fatigué, les gars. Feignant. Merci Twix pour le deuxième mois. Vas-y, ça marche. C'est un bon. Hop. Waouh, oh là là. Tu peux dormir ici, t'as... par contre. Mais attends, mais Francis, laisse sa mère. Je vais de... Soit je laisse, soit je ferme derrière toi. Et si ouais. Tu sors, tu pourras pas revenir. Soit je laisse ouvert, mais les gens qui viennent, ils peuvent fouiller dans les armoires si tu laisses tes affaires. D'accord. Donc tu me dis. Hein. Non, ça, c'est pas. Bah, je laisse ouvert en vrai, c'est pas d'affaire pour l'instant. Vas-y. Quand on aurait ensemble. Parfait. Vas-y, parfait, parfait. C'est un bon mafieux, c'est un bon. Donc merci. Là, tu viens quand tu veux. Okay. Et tu peux rester une semaine, deux semaines, je m'en fous, d'accord. C'est un bon, si tu veux être un clochard comme moi. Mais non, tranquille. Viens, on va te faire visiter le Big Hanout là. Avec vas-y, vas-y, vas-y. Comment il s'appelle le... Stan, ah, c'est là, du coup. Ouais, viens, Stan, vite fait. Faites le visiter un peu. Hey, il a kiffé là, le quartier, mais il a pas tout vu. Hein. Viens, on va te faire visiter. Et le quartier, les gars, il est incroyable. Il tue sa mère. Oh, t'as fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le quartier quand on tige? Non, il tue sa mère, il est incroyable. Il est stylé de ouf. Viens, on va te montrer un de ces trucs. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Big Hanout. Ah ouais? Tu vois, là, t'as le self-service. T'imagines bien, il y a un truc qui cache un autre truc. C'est pas vrai. Au cas où tu vas boire ou manger, tu viens ici. Non. Ah, faut que tu lui ouvres, mon frère. Tiens, vas-y, allez-y. Tiens, rentre. C'est l'arrière-boutique? Ouais, ça, c'est l'arrière-boutique. Ouais, l'arrière-boutique. Mets-toi là-bas au fond. Ouais. Là. Ah, va regarder les cartons là-bas. Va regarder, tu vas voir. Tu vas kiffer. Avance, là. Les cartons, ça. Ouais, tu mets trop de temps. Ici? Voilà, tout à fait, ici. Ouais, exactement, c'est ici. Allez, mon frère. Voilà. Allez, retourne-toi. Alors, Stan. Ouais. Oh putain! Vas-y, enlève son haut, regarde s'il n'y a pas un micro, tout ça. Enlève ton haut, là. Les gars, toi, petit enfoiré, tu viens du jour au lendemain comme ça dans notre haut. Tu... Enlève ton haut. Tu veux monter avec nous, hein, non, petit blanc-bec? Montez avec t'as jamais vous. Jamais vu, non. Attendez, attendez, les gars, attendez. Ok. Sale, j'ai capté, les gars, j'ai capté, vous êtes dans laquelle? Décapité. Non, les gars, moi, attendez, je vous dis. Tranquille, mon zé, t'en tirez pas. La queue dalle sur lui, cet enfoiré, la queue dalle. Il n'a rien. Déjà, c'est pas un cops. Attends, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est un fucking clochard, mon frère, ça. Putain, ouais, les gars. Enlève ton froc pour voir, là. Les gars, c'est rien. Vas-y, enlève ton froc, là. Vas-y, tous, trois fois, mets-toi accroupi et tous. Ok, ouais. C'est bon, c'est bon, les chaussures. Les chaussures. Les chaussures. T'as marre. Enlève les chaussures. Les gars, vous dire, c'est un enfant de la rue, les gars. C'est comme vous. Un blanc bec qui vient pour venir faire des trucs avec nous. Personne ne pose de questions, rien. Les gars, c'est un enfant de la rue, vous inquiétez pas. Ok, vas-y, tu peux remettre tes putains de sap, Stanou ou Stan. Appelle-moi Stanou, t'inquiète. Ouais. T'as affaire à des putains de professionnels, là, enfoiré, t'as compris? Mais je le vois, les gars, je le vois. Ouais, donc quand on monte sur des coups, tu nous fais pas chier, t'as intérêt d'être pro. Je suis pro, c'est à voir. Je te le dis, Stan. Okay. T'as quel âge? Ouais, c'est... T'as quel âge? La question, elle est simple. Ouais, c'est 21 ans. Ok, super. Écoute-moi, Bill Boulette. Ça va être super simple. Ouais. Je vais te le dire une fois et je vais pas te le dire 5-6 fois. Ok? Alors, écoute bien ce que je vais te dire vraiment. J'écoute bien, ouais. Ok. Alors, sache qu'il y a un nom qui sort dans
Hop là, super. Il y a un nom qui sort. Il n'y a pas de nom qui sort. Un prénom. Pas de prénom. Quelque chose qu'il ne faut pas dire. Rien. Tu donnes des ordres à je ne sais pas qui, tu parles mal. Personne. Tu meurs dans la banque. On te crève. C'est dit. D'accord. Tu vas rester avec les banquiers. Les mecs. On fait confiance à Mathieu, là. Avec le diable. Oui, bonsoir. Les gars, c'est capté, les gars. Ah ouais, t'as peinté. Ne trahis pas la confiance que Mathieu a placée. Trust me, trust me. Ok, on va te tester ce soir. On va voir ce que tu vois. Bien sûr, les gars. Vous inquiétez pas. C'est de la frappe. Il n'y a pas de souci. Et encore une fois, gracieuse sur les putains de renois qu'on a, enfoiré, on découpe en quatre. Mais n'importe. Mais t'es déjà mangé des bananes. Je te le dis, je te le dis. Je t'ai entendu tout à l'heure, petit enfoiré. Mais non. Et par contre, c'est la même chose pour Mathieu. C'est lui qui t'a mis sur le plan. Bien sûr, bien sûr. Donc sache que ce que tu vas faire aura des répercussions sur Mathieu. Hein, Mathieu ? C'est toi qui le mets sur le plan. Ouais, ouais. Tu portes garant, tu vois. Une connerie, tu portes garant. Tu prends avec lui. Il meurt, tu meurs. Vas-y, ça marche. Il y aura pas de mort, les gars. Il y aura pas de mort. Ton cartable, Mathieu. Écoute, vas-y, bah du coup, Stan, pense à toi, tu vas rester ici. Yo Non, en vrai, je comprends. Écoute, je t'ai trompé par les côtes, là, je suis avec les jambes, là. Écoute, sois sérieux, Mighty, ça va débloquer plein de trucs dans la hure. Suivant, on se fait la poire, on se tape des bas, on fait le zbeul, on casse tout, on tout, quand on n'est pas dans des vrais coups, mais là, c'est un vrai coup, Mighty. Donc, tu me fais ça bien, t'as compris ou pas? Ouais, y a pas de galère, les gars, y a pas de galère, vous inquiétez pas. Ah, ok, donc, vas-y, refais-nous un récapitulatif de ce qu'on t'a dit. Récapitulatif, un nom, un prénom, The Meur, une info, The Meur, le coup, il est sérieux. C'est du sérieux et pas de rigolade. Voilà, professionnalisme, prestance, charisme. Une fois qu'on aura récupéré le butin, là, on fera la fête. Exactement. Voilà, bon. On fera la teuf, mais pas de blase, Mighty. Allez, let's go, les gars. Pendant le baraco, allez. On fait le sang, on remplit les chapeaux et on se tire, yo. Quelqu'un qui a dit ça, Stan, tu vas ouvrir des portes de la hure, tu vas pouvoir kiffer, Mighty. Bien sûr, les gars, bien sûr. T'as dit quoi, yo? T'as pas un medikit ou un kit de sang? Oh, si t'inquiète, Zoro, attends-toi, vas-y. Allez, tiens le kit. Non, barre-toi. Allez, barre-toi. Non, reste, putain, j'ai mal. Putain, je suis blessé, frère. On appellera un médecin sur la négociation. Non, je pense pas. Les gars, c'est quoi le coup, là? On va se faire une putain de flic, hein. Oh là là! Vous savez que moi, c'est un hacker, moi. Premièrement, est-ce que t'as un masque? Bien sûr, c'est un hacker. Ah bah, on va te tester, tiens, la clé USB. Yo, tu sais quoi, on va voir si t'as voilà, tiens. La possibilité de pouvoir faire les choses de tes propres mains. Oui, c'est ou de tes gars, c'est ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Ok, t'es équipé. Vas-y, retiens ce que moi. Enlève. Et au négoce, on va lui trouver un petit toubib là, parce que regarde-le comme il titube, on dirait que c'est assis sur une naine. Alors, mais c'est sur une beuteuse, parce que du coup, c'est la tienne, mais après, une naine, je sais pas. C'est vrai que t'as l'air, ça m'a gossnacky. Oh, il a pas fait exprès. Enfin, non, c'est lui qui m'a pris, mais c'est pas grave. C'est dans le PDM. Sacrés accidents. C'est marrant, les gars. Bizarre, vas-y. Non, tranquille. Bref, non, passe au braquage. Vas-y. Allez, let's go. Les clubs, elles sont là-bas. C'est comment faire, les gars, je sais même pas c'est quoi, les gars. T'as besoin d'un petit cutter à chez moi ou quoi? Non, c'est bien. Allez au PDM. Faut qu'on va au PDM. Les gars, qu'est-ce que tu fais là? À partir de maintenant, tu mets une musique dans tes oreilles, un peu stylée, un peu suspense, tu vois ce que je veux dire? Ok, capté, t'inquiète pas. Pas besoin de musique. Mets-toi dans le mood, yo, mets-toi dans le mood. Pas besoin de musique. Musique pas copyright, fais pas chier ton nom. Pas besoin de musique, même nos copyrights. Ça casse les couilles. Rien sans musique. Carrément. Yo! Eh, roule doucement dans le quartier. T'as vu? Crois chez ta môme, t'es pas chez ta môme. Eh, doucement. T'as vu le freinage d'urgence? T'as qui le gros frein, ça, c'est bien. Yo. Ça branle bon, quoi dans le check-son? Pourquoi ça passe à toute berzingue là? Je faisais vraiment que passer. Je vais te mettre le même nombre pendant. Passez juste par là. Attends, je dois juste mettre les mêmes nombres pendant que l'USB. Attendez! C'est comme sur LSC le truc du. C'est comme sur LSC, les gars! Mets deux menus. Tiens, tu vas voir. Eh, goûte-moi ça. Goûte-moi ça, mon pote. C'est comme sur LSC, les gars? Ah non, ok. C'est trop bonne, ma salade. Tu vas voir. Mais vas-y, c'est de la dame, j'ai encore hyper soif, yo. Vas-y, on va voir ce que c'est, les gars. On va voir ce que c'est, hein. Et après, tu vas me regarder des nouvelles, yo. Votre livraison. Situation. Ok. Bien sûr, yo. Ok. Alors bouge-moi un petit menu pour la petite gourmande. Mais vous avez carrément des pétasses dans le quartier. Deux petites colas d'amorada un peu relevées en vodka pour que tu sois un peu chaude ce soir. Comme ça t'as envie de choper ton gars. Un peu de Elmore Gen. C'est pas grave. Et deux tartelettes de fruits. Big Jibs. Ok. Et voilà pour toi. Tiens. Merci ma petite gourmande. Voilà. Je vais te dire un truc aussi.
Ouais. Le contrôle technique, tu l'as pas fait depuis combien de temps là? Ah t'inquiète, il est effectué régulièrement. Vas-y. Ah parce que tu nous dis, il y a Dembouz carrément mécano dans le checkson, il te fait ça au black, il fait payer moins cher, c'est bon? Ah t'inquiète, t'inquiète. C'est des bons clients là, c'est... Yo, vous êtes des échangistes ou quoi là? Non, en tout cas, t'as vu quand ils viennent comme ça les Yankees, qui prennent au pick un autre Mike G? Merci aux clients fidèles. Merci aux clients. Les gars, c'est trop bon. C'est trop bon là, Elmer Jen. Merci aux clients fidèles. Putain, j'ai pas trouvé. C'est trop bon. Attends, tout à l'heure, je t'ai regardé vite fait. Tu faisais le mec en mode ouais, les gens ils en font des caisses. Et maintenant, tu t'arrêtes pas de dire c'est bon. Ça, non, non, les gens en font des caisses, mais c'est bon. Genre en mode. Ça contrôle dans ton quartier, tu dis rien, t'es vraiment une fan d'opion. Yo, c'est quoi ce bordel? Venez, 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 ça contrôle dans le quartier, venez, venez, moi la baisser là. Ça contrôle dans notre checkso, c'est quoi ce bordel là? Venez, 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 venez. Ouais, c'est comment les feux queues là, y'a un problème? Faites quoi là? Faites quoi là? Vas-y, vas-y, faites quoi là dans le quartier là? Hein? Faites quoi dans le quartier là? Y'a pas de contrôle ici les gars. Vous circulez, vas-y, laissez-le, y'a pas de contrôle ici là, vas-y. Y'a pas de contrôle. Oh, fils de pute. Les gars, ça tire ici, ça tire, t'as capté ou pas? Ça tire ici les gars. On a 10-31 sur les canaux de spécial. Y'a pas de 10-31, cassez-vous, ça y est. On va rafaler là. Putain, ça tire. Yo. Eh, c'est nous, on rafale. Tu voulais pas qu'on vous rafale, allez, sort dégazé là. De base, on allait acheter mon appart dans votre quartier. Ah, ça tire dans le quartier là. Ah, putain, bah, oui, je sais pas d'où. Ah, vous voulez qu'on vous tire dessus ou quoi, les flics là? Mais oui, ça tirait. Mais non, ça tire. On venait juste acheter un appartement, on s'est fait tirer dessous. Oh mon dieu, mettez-vous à couvert, les gars, mettez-vous à couvert. Allez, 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 ça circule les flics là. Allez, circulez. On va se faire drive-by par des jeans d'un quartier adverse. Ah, pour de vrai? Adversé? C'est qui les adversaires? Eh les flics, cassez-vous là avant qu'on vous tire dessus là, cassez-vous là. Ça tire le but, fais gaffe. Mettez-vous à couvert là. Vas-y, il est à droite le Mathieu, je couvre l'autre mur, Mathieu. Mon gars qui se couvre, je couvre l'autre côté du mur. T'as dit quoi? Je couvre l'autre côté du mur, t'inquiète. Ah ok ok, vas-y. Vas-y. C'est dit, c'est un... Ça a tiré. Tonton Monarch, y'a nos Nemesis qui sont dans le quartier, yo. Grimpez, on y va nous. Putain, ça a carrément tiré dans le coude, yo. Merci au client fidèle. Stan va avec Big. Avec Big. Allô, Mathieu, envoie à moi. Vas-y, viens, viens, Big, viens, le Big, viens. Bon, vas-y, on s'est battu. Il y a le plein, il y a tout. On est plus en sécurité en fait dans ce checkson, j'ai capté, yo. Big, t'as des poids de l'autre côté pour faire contrepoids? Vas-y, je me mets toujours en milieu, je mets le frein à main dans mes fesses. Vas-y, vas-y. On fait les otages, on fait les otages. Vas-y, ça marche. Qui a un flingue? Moi, c'est un gueuflin, yo, t'inquiète, Mike. Moi, c'est le coffre parce que c'est un cœur. Le Big, moi je conduis et toi et Stan vous récupérez. Attends, les... yo. Deux secondes, parce que là, il y a des gens. Tu passes. Non, mais je regarde, là, je vois des gens qui sont dans le hood, yo. C'est qui, déjà? Ils préparent un plan, eux, non? Attends, c'est qui est avec leur turvoi là-bas, là? Qui arrive sur nous comme des fous? Vous avez des problèmes avec des angles ou pas? Je sais pas, il y avait les balas, j'ai rien compris, il y a un balas qui courait. Yo, pardon, merci. Oui. Parce que Jimmy. Yo, JJ, il est carrément T-Park, ça te revoit, je crois. Mais yo, il nous a dit de venir là, il s'est barré. Yo, rappelez-le, je crois qu'il est parti en course poursuite avec les chicken, yo. Il se fait courser par des. Vous avez des galères avec attends, des gens? T'as un masque? Ouais, t'as un masque. Ouais, il a un skema, t'inquiète pas, yo. En fait, moi, c'est un hacker, donc, Mathieu. Tu veux conduire là, tu revois et mange Kebra. Ouais, vas-y, ouais. Miskin. Comme ça? Attends, mais faut que je la démarre et que je change de place. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. T'es à l'arrière. Eh, okay, si vous voulez des ans rapidement, il y a la mairie, il y a toujours du monde. Non, j'ai mairie, mais t'es fou quoi. Ouais, t'inquiète, on va le chercher à la base militaire, vas-y. Vas-y, mets un masque. On va faire le magasin de vêtements déjà de base, y'en a juste là. Merci Titi pour le 8ème mois. De SP95, la voiture a eu son compte ou pas? Ton sac il déborde derrière. Là, cette turvoie elle est tout le temps là, je crois que c'est un vestige. Bait, c'est un bait. C'est une statue. Vous avez des galères avec des ans vous? Quelques-unes, mais c'est la base. Ouais, c'est capté. Entraînant avec nous là ce soir, il va falloir que je comprenne qu'avec nous ça rigole à fond, mais par moments ça se concentre à fond. Ouais, normal. Mais attends, mais. Un peu le... tout, nous on a bien un petit mix, un petit multifruit, yo. Moi c'est un hacker, mais le coffre là, c'est comment? Yo, c'est toi qui as la clé USB, Mighty. T'inquiète, je vais réussir, mais juste. C'est quel genre de système? J'ai tous les plafonds et les contacts, on va carrément t'emmener sur ce plan et tu vas devoir aller parler avec lui. Vas-y, ça va. Tu vas parler avec lui, il va te mettre sur ton putain de smartphone une position, là, il va falloir que t'ailles hacker. J'ai capté, ça marche. Suite à ça, il y a une petite feuille qui sera planquée derrière. Et tu vas la récupérer avec tous les codes des coffres qu'on va devoir braquer, bordel de merde. Ok. Yo.
Ah, donc il me faudrait une voiture. On va aller vers le coin tout ça là. Ah, Mick Dips, il me faudrait une voiture, non? Non, on va carrément s'y pointer avec toi. Par contre, si la position, il faut que tu axes trop devant le poste de police, Mighty. Va falloir qu'on soit discret. En tirage de cagoule, on se planque dans une aile bresson. Tu t'habilles normalement, tu mets accent en légende, tu reviens dans la survoie. Et c'est parti pour se faire un max de pognon. Ok, c'est capté, c'est lourd. C'est Big Dips. Thomas, ça te dirait pas qu'on aille d'abord activer le truc? Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Vas-y, je veux que je te mette la position. Ouais, c'était pas ouais. Et loin, c'est vers les docks, tout ça là. Enfin, c'est carrément vers les enfoirés de Gosva. Ah, les vagos, oui, ouais. Ah, d'accord, c'est pas une flicka banale, quoi. Non, non, Mikey. On fait pas de trucs banaux, nous. On est pas là pour enfiler des perles. C'est pour ça que tout à l'heure, Thomas, il y a pas qu'apparemment, t'étais déjà témoin sur des coups. Ouais, bien sûr, bah ouais. Là, c'est pas des petits coups. C'est fait 8 fois la Pacifique. Ah ouais? Ouais, c'est fait 4 fois les. Tu parles d'avoir fait de l'air-tour entre l'Europe et l'Amérique, ouais, ça compte pas. Tu parles de l'océan, non? Oui, bah oui, l'océan. Ah, ok, ok. L'océan Pacifique, c'est 8 fois. J'ai fait l'Atlantique, j'ai fait la Méditerranée aussi. D'accord, ok. J'ai fait. L'Indien? Encore. Indien? Yes, tu peux parler un tout petit peu plus fort clavier Logitech dans la chebou, ça me paraît plaisir. Ah, parle trop. Attends. Oui, allô, bonsoir. Un petit peu plus fort, Absent monsieur, c'est J-Dot du SAFD. Oui, bonsoir, oui. Oui, ça, c'est bon, vos examens ont été faits ou pas du tout? Oui, ça a été fait. Ah, nickel. J'attends les retours. Parfait, nickel. Merci. Au revoir, monsieur Stanislas. Merci, au revoir. Ah, ça parle faiblement? De manière un peu légèrement étouffée, quoi. Fort, voyou. Ok. Mais, ouais, donc là, faut que tu te rends. Fais demi-tour, yo. Discrètement, tu es mort. Là, tu vas à droite, Mighty. Un, deux. Yo, t'as vu le grillage à droite? Touche-le légèrement, caresse-le comme si tu voulais faire un bisou à ton piston. Parfait, yo. Tout droit. À gauche, yo. Au bout, tu vas me remettre un petit coup de volant à gauche. Légèrement, mais sûrement. Un, deux. Là, vous m'entendez fort, là? Non. Mais agrandis ta manière de parler. Parle plus loin. Ok, là, c'est bon, là. Là t'es en cours là, vas-y, parle-nous la bonne langue. Là c'est en parler là. Mais on t'entend toujours pareil, yo. Tu vois une différence quand je te parle comme ça? Et comme ça quand même, yo, non? Bah là The Cry là. Bah arrête de crier. Mais on t'entend super bas. Bon, écoute Mighty. Le problème, c'est pas ta gorge. C'est à ce que tu auras les couilles de convaincre le G qui est au bout de la ruelle. Là c'est bon là-dedans. Là c'est bon. Ouais. Ouais, bah baisse un peu. Là c'est bon là? Rajoute un peu. Un entre deux quoi, faut un entre deux. Non, c'est carrément c'est bon, pas là. Bon. Là c'est bon. Ouais, là c'est bien. C'est bon. C'est bon, parfait? Ouais, c'est bon. Ah bah c'est top. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Yo, tu vas au fond de la ruelle, tu parles au G devant la porte. Y'a un mec devant la porte. Ouais, personne devant la porte, mais tranquille. Ok les gars, go! Les gars! Vite! Yo, qu'est-ce qu'il y a, Mighty? C'est parti! T'es essoufflé? Mission lancée, j'ai un blip sur la map. Pardon. Vas-y. Oh non, putain, comme par hasard! La police? C'est carrément le poste de police. Ok, yo, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était prévisible. Ce qui va se passer, c'est qu'on va carrément se décagouler. C'est pas vrai. Ok, on se décagoule. On va se garer au niveau du parking de l'ancien LS Café. Rappelle où on s'était garé, tu es mort? Mais bien sûr. Mais attends, c'est une question. Est-ce que du coup, il y a des pookies là ou quoi? C'est les flics qui sont encore. Faire attention. Faire attention quand il va mal. Il y a des allées et venues, c'est normal. Ouais, normal, c'est ça en fait ce que vous voulez savoir. Ok, d'accord. Écoute, Stan, tu vas tranquille ou bilou. Pas de stress. Il y a de la graisse. Jamais de stress, moi. Jamais. Parfait, tu fais ça bien. Et une fois que t'as terminé, on te fait arrêter mon angle. Tu revois et c'est parti pour faire un putain de braquage, Mighty. J'ai capté, non mais c'est lourd. C'est là il m'entend mieux là du coup là les gars. Même vous m'entendez bien les gars le chat. Yo, attends qu'on se gare. Je vais t'expliquer doucement mais sûrement. Alors, tu vois où il est ton blips là de merde? Ouais. C'est la petite borne grise à côté de l'arbre qui est censée générer de l'électricité dans le bâtiment. C'est capté, ouais. Chicken. Ouais. Quand tu vas arriver dessus, tu vas prendre ta petite tablette, tu vas la connecter en USB sur la borne. Et après, et là, tu vas avoir 4
points à ta gauche, 4 points à ta droite. Et c'est des relis. Tu dois les relier. Oui, ça marche. Dès que tu entends un petit bruit satisfaisant, bip bip, c'est que c'est validé, tu peux passer à l'autre. Ok. On t'attend, moi, MJ. T'as plusieurs essais. Vas-y, à tout de suite. J'ai oublié qu'il y a une banane dans les fesses. Ok, ça va être stylé, les gars. Oh putain. Attends, c'est comment les gars, je capte pas? Les gars, je capte pas? Ah, c'est comme ça? Ok, c'est le bruit en fait! Putain, mais c'est facile! C'est le bruit quoi! Démarre! Oh, discret, Mighty, discret, Mighty, yo! Pas stress, t'as repéré, tu viens du poste de police, Altar Bomb! Attends, désolé. Les gars, c'est toutes les données de la flic avant que c'est bon. Ok, c'est quelques bancs, Mighty. Normalement, maintenant, il va t'indiquer quelques bancs qu'il faut qu'on frappe, Mighty. Ouais, je vais lire le contrat. Ok, code des coffres de la flic 4 de Great Ocean Highway. Ouh, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal, ouais. Et je peux te dire, sans les décoffres. Un petit GPS m'a été dessus. La Great Ocean, donc c'est la Great Ocean, ta gauche, je crois, c'est celle-ci. Normalement. Celle-là, ouais. Normalement, t'as une étoile violette. Ouais, bah c'est là-bas. Remasquez-vous, les gars, si jamais on trouve ça. Ok, vas-y, on va essayer de trouver des petites barbies galeuses qui se parlent là, histoire de pouvoir négocier. Pas mal, les gars, le script de la flicard, il est bien. Yo. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde, hein. C'est pas grave. Si le monde vient pas à nous, on viendra au monde. Le monde vient à Pattaya. Exactement. Yo, c'est qui ça? Qui? Pattaya. Pattaya, c'est une petite demoiselle, il y a un number ou pas? Parce que là, ça fait 22 ans que je suis sur la planète Terre, jamais trempé le biscuit. Non. À part dans les seufs de Stan... Non. Qui? Allô? Non, rien, c'est... En fait, tout à l'heure, il m'a baisé, mais... Voilà. Ah, j'avais un appel, les gars, c'est pour Skype, ça. Ça m'empêchait de vous parler, désolé. Non, ça arrive. Ok, détache. Oh. On va aller au mécano. Il va falloir que nous nous rendions dans des points d'intérêt généraux. Là où les gens veulent finir leur SO pour se foutre soit une race, il y a le COI, il y a le LS Mécano, il y a le mairie. Je sais pas si c'est ouvert. Allons jeter un petit coup de deuil, yo. Bahamas, il est ouvert ou pas? Petit coup de bourdée. Il est jamais ouvert, Bahamas. Bahamas, non. Quand on lance ma paye, ils ont certainement des barbies galeuses, yo. Allo, c'est clairement le big au smartphone que puis-je faire pour vous. Ouais, il faudra deux dupes pour le garage, ouais. Pour le braquage. Ouais, faut qu'on en chope encore un. Ouais, il faudra qu'on en chope deux, trois. Ouais. On est carrément en train de détourner, nous, là. On a activé le coup pour qu'on puisse y aller directement dès qu'on a les brebis galeuses. Ouais. Et let's go, yo. On va chercher, nous. Donc c'est bon, il a activé le truc. Oui, il a activé, on a plus qu'à trouver des brebis galeuses et on va sur place, yo. Ok, bah vas-y, nous on tourne, je te tiens au courant. Il est trop facile le système. A tout de suite, Philippe. Vas-y, merci. Pas dedans, yo. Pas dedans. Ouais, je sais, je voulais juste voir s'il y avait quelqu'un. Ok, yo. Juste voir s'il y avait quelqu'un en vrai. Mais t'as les phares, j'ai les phares. Parce que j'ai mon tarpé. Oui. Ça fait comme dans les films là. C'est pire. Passe à l'arrière de la voiture au cas où. En fait, le système il est trop simple parce que c'est un système en fait en SSD DDR4. Et en fait, tout simplement, il faut brancher le câble de la DDR6. En fonction du bruit, si jamais c'est un bruit en synagogue ou en atmosphérique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas le système en lui-même, c'est surtout la façon dont le script a été fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Ok. Ouais, vu comme ça, ouais. Yo, ça va être carrément un truc de fou, mais tu t'y connais bien en informatique, enfoiré, yo. Bah oui, bien sûr, j'ai un master en informatique. Moi, je suis génie en fait de la bande en informatique. D'accord, ok. De quelle bande en fait? Ah, c'est pas encore sorti de la bande?
Hey, écoute-moi bien, qu'est-ce qu'ils ont dit les tontons ou pas dans le TK ou pas? Désolé. Tu crois que la vie c'est simple, t'es là, t'arrives, tu spawns à l'aéroport, t'as déjà une bande. Désolé. Hey, tu vas cravacher, fallait faire bien tes sûr. Preuves avant. Bien sûr, c'est épreuve, c'est ça. Désolé. Ah, tu sais, je vais te dire quelque chose, Maïti, parce que moi je suis arrivé il y a 2 mois dans le quartier des tontons. Oh, qui voit Laz? Ah, c'est des collègues. Putain, j'allais kébara comme un fou. Yo, tu veux savoir la vie? Il y a du monde, mais dedans. Va falloir que les choses viennent à toi doucement, yo. Sois pas pressé, t'as compris ou pas? Nous avons moi, les gars, j'ai un plan, les gars. C'est quoi, je vais me. Y a un otage dans la voiture à gauche. Ok, bah attends, décale-toi le M. Ah ouais, le M et tout. Non, le masque. Regarde, je rentre dans la voiture, je dis, il y a le feu dehors. Je rentre dans la voiture? Non, dans le concept, je dis, il y a le feu dehors, quand ils sortent, à vous. Vas-y. En fait, si le feu est dehors, ils vont juste se dire. Mais non, regarde. Non, fais pas ça, monte dans la voiture. T'inquiète, trust me. Fais-moi confiance. Je vais te faire mes preuves, moi, pour cette bande. Les gars, il y a le feu dehors, vite! Faut sortir, il y a le feu dehors! Il y a le feu dehors, regardez dehors! Il y a un feu! Vite! Il y a le feu! Il y a pas de feu, qu'est-ce qu'il raconte? Putain, il y a le feu dehors! Vous êtes bourré, monsieur, vous êtes bourré! Hein. Ah non, le feu c'est éteint, je crois! Attends, mais non, c'était plus vers là-bas, il me semble! Ah, vous êtes bourré, monsieur, vous êtes sûr que vous êtes lucide? Personne ne bouge ou je tire! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Bon là-bas, viens là! Reviens, je t'allume ta grand-mère, toi! Oh putain! Venez là, rapprochez-vous de la voiture! Viens ici, crois pas, tu vas partir. Ok, le mécano, je te prends pas, je te laisse aller bosser, Maïti. Bon courage. Toi, tu fais quoi dans la vie? Prends bas les couilles, monte dans la voiture. Allez, tu montes à l'arrière. Ouais, toi, tu fais quoi, toi? Tu veux pas. Pareil, rien. Tu veux pas, toi? Non, il est en train de faire ma voiture. Vas-y, va faire ta voiture, barre-toi. Merci, viens là, viens là-bas, toi, viens là-bas. Viens, marche arrière pas, je te plombe ta cervelle. Viens ici, là. Pêche-toi, yo. Amène-toi, dépêche-toi, que je t'allume, yo. Oh non. Bosse, monte dans la boîte, dans le coffre, toi. Vas-y. Allez, Simon, c'est bon. Rapidement, là, vas-y. On se tire, yo. Appelle pas les chickens, je vais t'en trouver, j'ai ton visage, je vais te fumer, yo. Bien dit, ça. Le mec, ça, c'est ma petite sœur. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, yo. Ta mère, si elle a un. Tu me dis, bon, je peux t'en refaire une. Je voulais prendre l'Euroca, moi, avec moi, mais bon, il est parti. Y'a un cellulaire dans les poches, des messieurs, j'imagine, en 2024, si vous en avez pas, vous pouvez. T'inquiète ou pas, les gars, elle est bien ma technique, les gars. Ouais, je le tire. Les gars, elle est pas bien. Glissez-moi le smartphone à l'avant avant que je commence à vous faire une prise de catch, vous allez vous essouffler au bout de 5 minutes, vos grand-mères, yo. T'as fait un putain de braco qu'elle t'a organisé. Prends-le. Ah putain. Tranquille, c'est bon. Énervez pas, les mecs, énervez pas, il est tendu en ce moment. Ah, il a déjà mangé une fois un humain. Ah, au moins, tu es vivant. Vous allez pas me bouffer, j'espère. Non, j'ai déjà mangé au Human Lab si vous voulez dire, il s'est trompé. C'est ça, il a mangé des organes. J'ai mangé avec Torgan, ouais, Torgan, le joueur de foot. Yo! On remonte carrément sur le coup, on a récupéré pas mal de brebis galeuses ce soir. Le Mago est un non tonton, yo! La queban, c'est l'autoroute ouest. Là, y'a Thieu, il vient de me dire dépêchez-vous parce qu'il est grave pressé de prendre le butin, yo. Non, t'inquiète, Mike. Les gars, ça va être lourd. Je maîtrise ce que je fais, yo. Première flicka sur flashback. On va tester, les gars, le script. A tout de suite, tonton. Toi, tout à l'heure, je me suis ouvert. Bon, ça va le quoi là, pose-là des questions. Il y a du pull là. Dépêche-toi, si tu veux pas que ouais, je te tourne. Ouais, les gars, vous venez d'où, vous? Bah, moi, je viens de là. Ok, ta gueule, tu foutis quoi au mécano là? Bah, j'attendais. Mets-la la pression, montre-leur qu'on n'est pas là pour enfiler des pères. On n'est pas là pour enfiler des pères, à un moment donné, on va vous tirer dessus. On a des armes d'armée, d'accord? Les coopératifs, on est coopératifs. Ouais, coopère bien, sinon vous allez t'allumer le crâne, ton gros crâne là. Elle descend des véhicules. Super. Elle descend des véhicules, ouais, descendez, ouais. On descend tranquillement de la voiture pour vous rentrer gentiment, vous allez vous mettre à droite. Eh, attends, tu me retires tes lunettes, je vais voir tes yeux. T'as la clé ou pas? Ouais, désolé. Vas-y, bago. Yo, écoute, viens. Vu qu'apparemment t'as un master en informatique. Ouais, okay. Là, tu rentres la clé USB là-dedans. Ok, c'est bon. Un chiffre au-dessus ou en dessous, je sais plus. Il faut que je fasse le même en reliant les trucs à droite et à gauche. Bonne chance, Mighty. Merci. Du tout, franchement, du tout. Ouais, bon. Ah. Ok. On a le point de faire du mal là, quand même. Attends. Bon. Ok. Alors qu'on a des modèles, c'est qu'on a besoin de choses.
Putain, je capte pas, les gars. Oh merde. Attendez, les gars. Je te fais confiance, yo. Comment j'annule? Oh merde. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas. Si t'as du mal, je peux le faire. Hein. C'est de le faire. C'est juste d'apprendre, en fait. Ouais, t'inquiète. Si tu galères, je peux le faire. Vas-y, ça marche. Je capte pas, les gars. En fait, je capte pas pourquoi. Ah si, j'ai capté, en fait, j'ai capté. C'est trop facile, les gars, en fait. J'ai capté. Voilà, j'ai capté. J'ai capté, les gars. Donc là, imaginons. Un cercueil. Oh, moi, comme d'hab, comme d'hab. Je prends ça. Alors, ce jeu, c'est bon. Oh putain. Oh la vache. Toi, alors, sur la négociation. C'est bien, Henri. Dis, hein, si tu galères, tu me passes la clé. Putain, mais en fait, je comprends pas le délire. Donne-lui, ouais, c'est mieux. Je pensais que t'étais un pro. Non, c'est un professionnel, mais il faut juste que je prenne du temps, mais vas-y. Dan. En fait, c'est super simple, faut juste que dès que t'as capté, tu vas voir, tu vas dire « Ah !» Ouais, c'est parce mais que t'as pas capté, les chiffres, j'arrive pas à tout sélectionner. Parce que tu dois d'abord aller à gauche, voir comment il fait Mathieu. Et ensuite tu sélectionnes droit. Vas-y, regarde comment il fait Mathieu. Allez, je vois que... Là, sauf que là, là. Poser quelques questions. Question. Sur clan, là. Ok. Et voilà. Et voilà. Et merci. C'est à mon tour de jouer. Allez-y. Bob Mulet. Il faut les coffres des. Ah non, le code, c'est après. Hein? Le code, c'est après. Enfin, les codes. Oui. Ok. J'ai. J'ai pas capté, les gars. Pas, même moi, j'ai toujours pas compris, les gars. Ah ouais, j'aime bien. Bah, en fait, je pense que quand tu captes, t'es en mode waouh, ok. Mais c'est juste, je sais pas utiliser les touches. Ok. Ah ouais, t'as du cash, mon. C'est bon? Ouais, là. Mais pourquoi je peux pas? C'est bien sûr, tu peux pas. Ah, ça me dit que j'ai pas l'équipement. Oui. Bah, si tu l'as pas. Attends, quoi? Pour protéger. Non. Attends, on peut se barrer par derrière? Attends, pour de vrai, les gars? Eh, on peut se barrer par derrière? On peut quoi? A réussi à hacker la teuport ou pas, Mathieu? Ah ouais, il a réussi, le M, moi c'est pas réussi. Enfin, j'ai pas. Enfin. Je croyais que t'étais un crack en informatique. Si, si, je fais pipi, quoi, yo. Je fais pipi dans le buisson, j'arrive. Ça marche. Vas-y, non, ça marche. C'est un crack, mais c'est juste que. Vous avez pas ma. Donne-moi la fiche là avec les numéros, s'il te plaît, yo. Non, ça se peut le faire. Non. Attends, juste montre-la moi. Vas-y. Eh, on peut se barrer par l'arrière de la banque. C'est pas ça. T'as de la chance, t'es tombé sur des braqueurs. Bonne nuit. Ouais, moi je vois ça quand même. Attends, mais what the fuck? Mais qui a écrit bonne nuit, wesh? Avec mon compte? Je me fais hacker? Alors là, je vais me faire un plaisir. Hein? Attends. C'est Safa. Elle est sur mon PC portable. Mais là, je vais le terminer. Attends, tu dormais pas là? Bizarre, hein. Tu faisais quoi à cette heure-ci là? Attends, il est où? Tiens, qu'est-ce que tu faisais? Vas-y, va. On bougera pas, t'inquiète. Tu vas dormir là? Très loin. Non, c'est patinoire. Est-ce que vous savez ce qu'elle signifie? Enfin, quelle signification à le poster? Tu m'avais envoyé des messages. Ah non. Regarde, retournez-vous. Merci Razor pour le 16e mois. Ah oui, c'est patinoire qui me surveillait, parce qu'elle va dormir. Oh, point, Maradji. Ouais. Putain, stylé ça. Tu prends les quoi là, sale tarba? Attends, mais tu m'avais dit quoi? Eh, les absences comme ça non justifiées. Mais attends, mais t'entendais pas, sinon t'aurais répondu. Arrête de prendre pour un jambon. Mais si, c'est dur. Les gars, je vais pas foutu avant. Tu les as montré ou pas? Ah oui, non, mais je t'entends dans le bizarre. Ah non, c'est pas vu. Oui, c'est bon, je les ai eu. Je les ai, ouais. Ok, yo, c'est ça qu'il va falloir taper à l'arrière. Ah, vas-y, pas bien toi, moi. Le problème, c'est que. À l'arrière de l'Africa, les chickens ils peuvent carrément contre-hacker et fermer les coffres qu'on veut ouvrir nous. Donc faut faire vite. Faut faire vite. Ok, je vais. Le fait de vouloir Choisir
Il s'est endormi, merde. Il s'est endormi en train de percer le confio, je vais devenir fou. C'est quoi ce bordel? Attends, c'est quoi ce braco loco? Il va pouvoir continuer ou pas? Laisse-le, yo. Et le fait de pouvoir choisir aussi. Carrément, sur pas les tickets, faut accélérer les chill, faut accélérer, putain, yo. Putain, merde. Stress, putain de mort, merde. Pas stressé, mec, stresse pas. Le choix, c'est le bonheur. Non, mais G, t'inquiète pas. Et avec le choix, comment on a le choix, oh, monsieur? Attends, même moi, les gars, je suis fatigué là, alors que. En temps normal, je suis pas fatigué à 2 heures. On surveille les otages, putain, yo. Ouais. Vous avez le choix de mettre des pots de vin dans la main. On vous a l'œil, les gars. Hein, d'agent. Police. C'est ça le bonheur, messieurs. C'est le choix. Exactement. C'est avec le choix. Je veux regarder si t'as rien de dangereux sur toi. Vous avez le pouvoir avec le choix. Je vais même aller plus loin par rapport au dire de mon collègue. La liberté et le bonheur. La liberté. Non. Non. Si. Le bonheur, c'est le choix. Le bonheur, c'est la liberté. Parce que si t'as la liberté, d'avoir le choix, justement. Le bonheur, c'est la liberté d'avoir le choix. Bien le oui. Choix. De faire le choix. Le choix d'être libre. Bon, l'autocar. Mais c'est ça, exactement. Non, attends, par contre, tu me dirais pas. Je te respecte. Mais la liberté, c'est le choix d'être libre et de choisir de si on veut être libre ou pas. De cette société méprisante et, donc, et remplie de Hayawan et d'autres personnes. Donc, je dois de l'éclater, lui. Donc, conclusion, le bonheur, c'est le choix. Et ouais. Le bonheur, c'est le choix. Non, le bonheur, c'est le choix. Non, la liberté. Non, c'est le choix. On est d'accord, l'otage. Libre, la liberté, d'accord, t'as la liberté. Mais est-ce que t'as le choix? Mais quand tu es libre, t'as la liberté d'avoir le choix. Non. Ok, bah, je suis toi, t'as le sentiment. T'as le sentiment d'être libre. Mais tu ne l'es pas. C'est vrai. Je vais à c'est les autres qui ont le choix de. Toi, yo. Tu te sens libre. Eh, vas-y, dis-lui, tonton, s'il te plaît. L'État est contrôlé. L'État nous manipule depuis des années. L'État nous manipule. Et nous. Fais pas chier, enfoiré. Les impôts sont finis tout à passer. Ils savent tous les mois, faut la payer. Parce que la France est insouciable. Qu'est-ce qu'on a dit? Prestance, charisme. Noir et fier de l'être. Et les francs-maçons, costard, cravate. On n'est pas calmez-vous. On est à l'échec. Il est... y a le chicken, le G, il y a le chicken. Vas-y, attends, voilà. Eh. Donc, ça, c'est le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est j'ai une question. Ouais. Vas-y, donne-moi tout. C'est en mida. Je suis prêt à rentrer, moi, les gars, s'il faut. C'est bon, c'est les années. On a les codes avec l'enfoiré débutant. On va voir si les. Ah, c'est Kerry James, ça. Ok. C'est qui qui a pour des otages? Les otages, les gars, les otages. Bah, demande aux négociations, tonton. Hein? Personne ne bouge. On va pas bouger, hein, vous inquiétez pas. On bougera pas. Bougez. Il s'est cassé la gueule ou quoi là? Qui s'est cassé? Attends, mais c'est là-bas que tu as la gueule? Non, c'est moi. T'es obligé, je t'ai bloqué. Ah, c'est ici? Mais je sais pas pourquoi ils auraient putain de chat dans la banque. C'est fou ça, le chat qui tombe. Qui fait tomber le PC de la flica là. Exactement. Attends, mais donne-moi à boire. Eh, mais restez tranquille, vous. Les otages. Bah, comment, toi? Mais tu m'as dit demande. Éthanol et toi, au milieu. Ils vont casser les. Comment ça, non? Comment ça sera éthanol? Madame. Toi, au milieu, toi, c'est comment? Helios. Helios, ya, Leviosum, Leviosa. Et toi, c'est comment ça? Juste à boire. Comment? Ok. C'est un onomatopée, ton blaze. C'est ok. Ok. Non, c'est ok, comme l'oiseau. Mais il court partout le chat, c'est fou ça. C'est qui a soif? Moi s'il vous plaît. Je suis désolé. Il rigole un peu trop, faut leur mettre une balle. Oh non, je suis d'accord. Non, 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 c'est bon. Pour monsieur. Vous avez faim, vous avez soif monsieur? Ouais, franchement j'ai un petit peu... Si jamais vous n'êtes pas satisfait... J'ai un petit creux et un petit peu soif. Si vous n'êtes pas satisfait du braquage, vous ferez rembourser. Un colada morada pour monsieur et un plateau de ceci. On n'a pas payé. Merci beaucoup. Ouais, y a pas de paye, moi je suis l'officier 54, Dre Parker. Il y aura mon rookie avec moi qui va gérer la négociation et je serai à côté pour voilà, reprendre le lead si jamais. Il faut des MS sur le M. Pas de soucis, pas de soucis. Écoute, c'est à toi 24. Eh bien écoutez, je pars plus doucement mon frère. T'inquiète. Ok yo. Et que vous y arrivez ou quoi? Non mais une galère là. Ouais. C'est quoi la galère? Ok. J'ai mal à la gorge parce que les gars, j'étais pas habitué à parler autant là, ça fait depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Yo, qu'est-ce qui se passe? C'est parce quoi le tonton là? Les vérifier, putain, ça part en yo, c'est quoi devant? J'ai vu un camion qui passait derrière, je crois.
Eh ouais, mais attends, on est baisé là. Faites quoi dans la vie, monsieur? J'ai vu un camion, et en fait, je crois que c'était un flic qui s'est passé pour un civil. Oh yo, il va carrément passer à l'arrière, il va essayer de contrecarrer les cofios, mais j'arrive pas au bout, bordel de merde. Immobilier, c'est incroyable. Moi aussi, je vais aller devoir faire dodo là. J'ai jamais vu ça de ma life. Ah, t'es bloqué? Ouais, yo. Vas-y, envoie-moi le truc avant de dormir, que ça se fait. Fouille-moi, fouille. Bah, tu pourras pas me fouiller si je suis comme ça là, je crois, si. Si, je peux te fouiller, ouais. Vas-y, récupère la big et les forêts. Et les 4 forêts. Vas-y, vas-y. Vas-y, oh, j'ai bou, yo. Vas-y, bonnie. Ah non, je peux percer la porte, attends. Ah ouais, oh, mais genre, tu vas rester comme moi, je pense, yo. Parce que ça en merde, je crois que je vais rester bloqué avec toi. Je suis dans toi, là, carrément, là. Avec la capuche. Messieurs les otages, venez. Venez avec moi, si vous voulez. Fonctionne ou pas, là? Attends, je crois que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Là, je perce, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, perce. Tu vas devoir le faire 4 fois, hein. Vas-y, Magic Carrier, alors si t'arrives à percer, yo. Oh, c'est génial, les scènes. Oh, c'était pour me débloquer, yo. Bah, tu vas faire dodo, moi je trouve. Attends, Medji. Pourquoi là? Pourquoi je suis parti? Mais frère. Me dis pas, t'as pété le forêt. Non. Me dis pas, t'as continué à monter en haut jusqu'à ce que ça pète. Bah non, c'est pas con, il y a les degrés Fahrenheit là. Enfin, ouais, faut faire attention. Ah, ça va. Là, ok, monte doucement, yo. Calme doucement, Medji. Okay. Tu vois que le forêt voilà. Commence à trop faire chaud. Ouais, je prends mon temps, vas-y. On va être baisé sur le coup, les chickens ils sont déjà derrière à 30 contrées, les cofios. Bah ouais, je suis tombé face à face avec eux. Putain de sa mère, falloir que je fasse ça tout berzingue. Dans le box. Dans le box. Qui fait une voix d'agresseur sexuel là? Qu'est-ce qui t'arrive, Daniel Balanfoy? Je peux s'imaginer. Yo, qu'est-ce qui t'arrive, Kenza Farah? Kenza Farah, c'est... Il t'en reste combien à percer là? Il m'en reste un. Ah genre lui, il a réussi lui? Oui, il a réussi. Oh, j'ai essayé. C'est bon les gars, ça s'ouvre. Ayana Kanamura, il a réussi. Il a pas réussi. Voilà les gars, c'est parti. Le coffre est à nous. Ah ouais? Ah non, 1 sur 4. Je vais l'enculer. C'est un tocard. Non mais attends, mais les gars, mais là je vous jure que je suis au plus rapide là, vraiment. Yo, t'inquiète, Mike, j'ai prends ton temps. L'important, mais... c'est qu'on arrive à ouvrir. Si jamais tu pètes une mèche, on est foutu. Il y a 4 points. On a 4 mèches, on en a pas pris d'avance. C'est la crise si tu en pètes. Hein. Je l'avais prends ton temps, yo. Attends, mais pourquoi? Je jure, yo. Non, si, il en avait une en plus, l'autre. Soit tu réussis les 4, soit le butin est mort, yo. Si on en a pas une, mettre la pression, les chickens sont déjà à l'arrière en train de bloquer les cofios. Ils ont un temps d'avance sur nous. Je te jure que là, c'est à mon prime. Là. Vraiment, comment je fais là? Je monte pas dans le jaune. Super, Mighty. T'as la flicka entre tes mains, je te le dis. Et tu risques de pas en sortir si tu loupes. Si t'as l'habitude de faire des coups avec des branquignoles du lycée qui comptent 2 plus 2 pour ouvrir un ordinateur. Il me faut juste un forêt en plus, hein, du coup. Oh putain. Mais non, il y a 4 trous à faire. Mais oui, mais il m'en faut un en plus du coup. Ah non, là t'as déjà percé 2 fois. Là tu perces une troisième fois et t'as encore 2 forêts sur toi là. Non, il y en a encore prends un là. Téléphone, monsieur. Faire des ah non, yo, là t'en as 2 sur toi. Okay. Tu vas en cramer un. T'en vois 2 là. Troisième trou que tu fais. Oui, yo. Super, maman. Tu vas en fouiller Ah ouais, t'en as 2. Ah bah c'est bon, vas-y, bah c'est carré là. Là tu vas faire le troisième trou. Et après celui-là, le dernier, le quatrième, il te reste 2 forêts. C'est bon, yo. Pas stress, my G. Ah, oh, c'est la pression, les gars, c'est la pression, les gars. Ma première flicka. La flicka sur les épaules, Mighty. Je suis arrivé dans mon quartier, j'étais le tout petit. Je suis toujours le tout petit, mais j'ai grandi. Et mes tontons m'ont appris. Si tu veux kiffer ta vie. T'as grandi et t'as grossi aussi. Enfin, faut rajouter des adjectifs. Qualificatifs. Perce avant que je te perce. Perce. Oh, ok, je perce. Alors, ouais, perce. Première question. Quand t'as percé dans la grille. Pourquoi un train. Perce. Los Santos, Sandy Shore. Perce que je vais t'enculer, tu vas te transformer en Julien Perce. Pourquoi tu fais pas un épisode de la graillance de Bouscapé là? Ça fait une heure. Oh, plus jamais gros, ça va arriver bientôt. T'as dit quoi? Je t'en sors. Plus jamais gros, ça va pas tarder à arriver. Ok, le dernier les gars. C'est parti. Ça aurait dû le faire direct, fallait m'appeler. Oh ouais, respecte-nous, tu vois pas qu'on en fait des petits yo. Fuis ça un peu, doucement hein. Écoutez bien. Concentre-toi enfoiré. Le pourquoi? Tu concentres la speedrun là. Los Santos, Sandy Shore. Ça va bien, c'est un... il se fait ça bien. 80 minutes. Mais mon 9 mm, ça fait longtemps qu'il a pas fait un petit dégradé à quelqu'un. C'est la même chose. Ouais. Oh putain, bravo.
Vous avez vu les gars, parfois ça monte dans les degrés alors que je perds rien. On va faire super vite hein, parce que là ils doivent être en train de bloquer tous les coffres. On va sortir pour 20 000 balles au lieu de 80 000. Vous avez vu les gars? T'as la feuille de code sur toi, tu sais comment la regarder ou pas? Prends-la. Combien de mois possède? Donc c'est moi qui tape tous les codes sur Saltarba. Bah fais-le. C'est bon ou pas? Vas-y, je vais le faire. Tiens, prends sa feuille de code, prends-la sur lui, comme ça tu vas pouvoir m'aider. Parce que là, les chickens ils ont carrément un temps d'avance. Fouille-le, prends la feuille. C'est bon les gars, ça s'ouvre. C'est parti. Ok, c'est parti, faut bombarder. Eh, je crois qu'il va y avoir plein de coffres violets, je vais avoir le démon. Vas-y, la porte est à vous. Ah ouais, genre plein de trucs fermés. Les coffres violets, c'est les chickens qui l'ont fermé. Je peux pas passer. Il y en a trois. Partez-moi. Merci, Maïji. Alors, j'ai 30 violets. Oh, je vois rien, je vois pas les oranges. Dis-moi les qui sont oranges. Le D2, E2, A3. Tu les vois les. Oh, je peux pas le faire, j'ai le démon. C'est stylé, les gars. Sérieux? Tu vois rien? Attends, je peux le faire. Je vous dis les codes. Vas-y, essayez sur tous les trucs. Alors, dis-moi le D2. 96, eh, fais sur tous les coffres. 93, 16. Attends, tente ça sur tous les coffres, toi. Pourquoi 93, 16? Tous les coffres orange, tente le 93, 16. 71, 48, toi. Voilà, testez ça sur tous les coffres orange. Et que vous les trouvez, vous me dites. Je vous donne. J'ai trouvé, 23 lingots. Ok, toi maintenant tu fais le 29, 92. Cherche-le. 29, 92, toi. Ok. Ouais, c'est bon, je l'ai eu, sûr. 19, 85, vas-y. C'est un snap. Attends, 19,85. Non, c'est le mien, 19,85. Il m'a dit tous les deux. Non, t'as trouvé celui que je t'ai donné ou pas avant le 72-48? Le 23 combien? Mais non, mais il m'a dit, Mathieu l'a trouvé. 19,95 toi. Bah oui, mais c'est... Moi? Toi 95, lui 85. Okay. Bah oui, 19,95, mais il se trouve pas. Il se trouve pas, c'est qu'il a dû être fermé. 26,29. Essaye. Dans tous les coffres, yo. Tous les coffres oranges, on est d'accord hein. Ouais, de toute la pièce là, même de l'autre côté. 29, 92. 26, 29. 26, 29 toi. Il fonctionne pas. 10, 17. Essaye de trouver 10, 17 toi, tu veux. Frérot, c'est 29, 95. Ouais. Ouais, c'est bon. Mais non, 26, 29 toi, je vais t'enculer yo. Tu m'as dit 95. 19, 95, mais tu m'as dit que tu le trouvais pas. T'en mets les pinceaux. C'est bon, 10, 17, c'est bon. Vas-y. 17, 90, 26. Ah, coffre verrouillé par la police. 27, 39. 90, 26, tu fais ça toi, tu veux? Ouais, ouais. Et moi, frère. Tu veux un autre chiffre ou pas, toi? Vas-y. 27, 39. Toujours les oranges, hein. Ouais, que les oranges, yo. Non, il y est pas. 35, 55. Ah, c'est bon, 27, 39. Ensuite 69, 25. Ok, c'est bon, ensuite 42, 09. Ouais, c'est bon. Là, tous les coffres oranges sont fermés là? Enfin, ils sont verts? Non, il y en a encore un. C'est bon, dernier, c'est bon, 42h09, c'est bon. Il reste combien de coffres oranges là? Il en reste un, ouais. Un seul. Bah, faites 26-29. C'est bon. C'est lui? Ouais, c'est bon, c'est lui. Ouais. Et tous les autres qui sont bloqués, yo. Ils sont rouges, ouais. Et combien de coffres violets là? Il y en a 3, je crois. 1, 2, 3, 4, 4. 4, ouais. Attends, toi, t'as 102 et toi, t'as combien? Toi, t'as 65. Ah 65. Ouais, yo. On se fait baiser, hein. Ils nous ont bloqué 100 lingots, ces enculés de chicken. C'est énorme. C'est la moitié du butin, ouais. Putain de merde, putain. Fais chier. C'est pas à cause du perçage aussi, on a eu des petits problèmes techniques. Ouais, mais bon, c'est pas mon faute. Ouais. Go braquer une deuxième dans la foulée. Hein. Bah, c'est faux, vraiment. Yo. Mais non, on fera ça plus tard. Aidez-moi à passer là. Attends, recule, Halouf. Ouais. En fourtant dans la flica, va plus loin au niveau du vélo. Lettre N. La lettre N. C'est bon, Ledger. Alors
Okay. Le M, t'as pris les médecins, ils arrivent ? Très bien, messieurs. Du coup, non, le mécano est arrivé. Ah, vous avez des médecins. Actuellement, il s'occupe de nos véhicules. J'ai une question à vous poser, messieurs. Ouais, deux, même deux. Vous êtes combien à l'intérieur, vous ? Alors, Ils sont en mode sérieux, les gars, quand c'est braquage. Donc, le petit nouveau, tu nous dois 4 coffres. Pourquoi voilà. Tu fais quoi ? Mais il a rien fait, lui, il a débloqué la situation carrément. Je le défends. Tu le défends, mais il a débloqué la situation. C'est grâce à lui qu'on a réussi à ouvrir. Il n'y a que lui qui arrive à ouvrir. En fait, non, il a réussi. Il avait un souci technique, les autres. Ouais, yo. Comment ça, vous voulez. C'est des pistolets à bulles ou quoi? Mais comment ça? T'as besoin de voir les armes à feu? T'as besoin de voir Marie? T'as besoin de voir qu'on est des réactifs? Tu veux que je te la sorte? Hein? Tu veux que je te la sorte ou pas? Vas-y, sors-moi dans ta chatte. Je voulais voir les armes à feu. Mais où est rangez ça. Sortez bols. Elle est là. Je te montre où on est dans un. Attends, je te prouve quoi là? Oh. Bah attends, me dis pas quoi. Eh, me parle pas de cirque, t'es un chicken qui demande de montrer des pétards. Bien sûr, je vous demande de montrer des armes. Voilà, bah tu crois qu'on braque une queue en sans pétard? Tu montres des munitions, clown, yo. Si jamais. Je te montre si elle tue. C'est quoi, ça te rassure si on a des armes? Non, tu veux savoir si elle tue? Tu veux que je tue un otage? Vas-y, tire-moi dessus, vas-y. On va lui montrer c'est quoi des armes. Pose la question. Vas-y, rentre, je vais te tirer dessus. Vas-y, viens, yo. Messieurs, à faire un test. Pas de bêtises. Écoute-moi bien. Ok, reprenons la bonne partie. Si je le tiens, y'a pas de galère. Au moins, ça en fera un au moins à choper. Yo. Écoutez, messieurs. Vas-y, rentre, on va tester le flingue, rentre. Vas-y. Tire-moi dessus, vas-y. D'accord. Et à un moment, tu doubles le deuxième. Vas-y, tire-moi dessus. Là, ta nouvelle position, c'est quoi? Tu veux que je te tiens? Mais grave, vas-y, tire-moi dessus. Vas-y, on va leur montrer c'est quoi. Vas-y. Mais attends. Vas-y, là, entre les vieux, là, ici, là. Là, concrètement, vas-y, bouge pas. Ici. Ah oui! C'est incroyable! C'est pas compliqué bon, okay, celle-là! Ah non! Première fois j'entends ça! Montrez-nous vos armes! Tu enlèves les mots de la bouche! En plus, celle-là je l'avais, mais. Vous êtes dans l'illégal ou pas? Plus que moi! Ah ma grande là! On fait pas, je peux pas faire ça! Hein. Est-ce que le 14 juillet il existe en Allemagne? Oh putain! Yo! Non? Oui? Attendez, faites très attention à la réponse que vous avez donnée! Il existe pas, il existe pas! Bah pourquoi non alors? Parce que le 14 juillet, c'est. Oh putain la vache, les gars! Bah, il existe pas, voilà. Il existe, c'est un jour comme un autre. Donc, en fait, c'est un jour comme un autre. Ah putain, le 14 juillet, il est même en Algérie, au Maroc, partout, les mecs. Putain, ouais, c'est nul. Bonne réponse pour le Hawk. T'es un véritable real gangster motherfucking E. Bon, c'est la fête, ma mère. Est-ce que tu peux écrire vert avec un stylo bleu? Oui. Bah oui. Comment? Bah en écrivant vert. Les gars, je vous jure. J'ai trop toussé, j'ai eu des fourmis dans le cerveau. En fait, c'est vraiment eux qui ont inventé les blagues. Et je vais arrêter ma carrière de comique. Waouh, là, c'est la première fois de ma vie, ça me fait ça. C'est des blagues de logique. Merde. Non, ça sert à rien. T'as plus l'habitude, c'est normal. Non, j'ai pas mal au crâne. Enfin, si, j'ai eu comme si j'avais des fourmis dans le cerveau, les gars. T'es fatigué, c'est pour ça? Non, mais je suis malade. Bah oui. Merde, celle-là, normal. Des vertiges, celle-là, si vous trouvez, vous êtes. Les gars. Je vous le dis, j'avais dans ma tête. Combien y a-t-il de ça, fois ça a bougé. La lettre F dans le texte que je vais vous lire. Ouais. Trop stylé ça. Voilà, c'était trop stylé les gars. Je suis pas un con yo. Ok, messieurs. C'était trop stylé. Elle débute en VSC. Monsieur le mécano est actuellement présent. Je vous laisserai présenter l'hôtel. Regarde-moi les yeux. Ok, il arrive tout de suite. Bien sûr, si prêt. Bien sûr. J'arrive ici, chicken n'arrive pas. Ok, vas-y. Super. Donc on va pouvoir procéder à l'échange du coup. Monsieur Mekano va s'occuper de l'otage. Ouais, c'est bon. Dis-moi, tu prends. Allez-y, monsieur l'otage, allez-y. Okay. Super, attendez. C'est... Attends, je la sors coups. En cas d'extrême urgence. Super, allez-y. Ouais, je vais derrière les voitures. Ouais. Allez, vous... Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de le conseiller, le petit. Il le conseille, ouais. Putain. Premier coup, on est d'accord ou pas? C'est le premier coup, ouais. Surveille s'ils arrivent pas à surveiller. C'est bon. Un peu de la graisse entre les yeux. Surveille s'ils arrivent pas à surveiller. Okay. Hop. Tu fais quoi? Tu perds tes moyens ou quoi? Tu perds tes moyens? Tu fais quoi? Vraiment, tu j'ai fais perdu, le marathon ou quoi? J'ai perdu mes moyens pour de vrai. Ok. Vérifie si ça arrive pas. Vérifie si ça arrive pas. Waouh. Wow. Ah, putain, mais il est trop fort. Ça y est. Pour l'instant, il est super, super fort. C'est quoi la blague? Ok. Alors, je la répète. Combien y a-t-il de fois la lettre F dans le texte que je vais te lire, ok? Oh les gars, j'ai un mal de crâne, ouais, je suis dingue. Vous avez vu les gars, j'ai pas foutu de halage, j'étais calme là, dans la scène.
Et il a trouvé un. Je t'ai dit, c'est des cracks. Demain, il faut que je mette un matelas pour isoler. Mais je parle à toi là. C'est ouais. Quoi, c'est une fois, non ? Je sais pas. Attends, mais il y a un problème avec la porte ici, on s'entend pas là. C'est ouais, bizarre, vraiment, moi, ça s'entendait pas. T'entendais pas, ouais. Là, on s'entend là. Je te disais. Ouais. À 3, tu vérifies qu'il n'y a pas un chicken qui essaie de lancer l'assaut. Ok. 1, 2, 3. RS. RS aussi. Attends, je crois que j'ai un doute. 1, 2, 3. Ouais, non, RS. C'est bon. Ok. Ok, on fait ça. Fuck, tu montes sur un coup, boule. Ouais, pour enfin, ouais, c'est. Enfin. Oulala, le gyrophare vérifie. 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3. T'as quel âge ? Top. C'est synchro. C'est bon. 3. T'as quel âge, gamin ? Top. Oh ! Donc, tu fais quoi dans la tuyauvoie, toi ? T'as mis un coup de. Un rétroviseur ou quoi là ? T'as mis un coup de pare-soc là, un coup de. T'as mis celui-là à l'arrière, tu as du liquide de frein là. Eh, tu veux que ça parte en couille ou quoi là, Mike ? Tu veux quoi là ? Eh, tu arrives pas juste la tuyauvoie, tu commences à faire. Tu veux notre gueule ou quoi ? Tu veux qu'on pète ou quoi ? T'es sérieux ? C'est une belle voiture, c'est une belle voiture. Reviens. Oublie pas ton poste, T'as raison, On est pas synchro là, Mike G. J'étais passé, putain, le big. Merci. Rien pour toi. Si, moi, vas-y, attends, tiens, c'est pas ça. Vas-y, tu sais quoi, tu vas à 3, tu vas monter à gauche. Remets ton position là, putain, de parrain. Ouais, à 3, tu regardes ton côté, tu comptes. Non, mais reste avec ta torrente. Ok, me donner l'info. Ça marche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. J'en ai 2. Ça fait 11. 11. Parfait. 11. Attention, reste comme ça, je vais surveiller vite fait. A votre avis, je peux me zépo dans la chambre, vite fait. Oh, ah oui. Oh putain, ta mère. Qu'est-ce qu'il y a, yo ? Ça sent les olives. Il y a un olives. Truc qui arrive ou pas ? Non, mais sent, non. Non, ça sent les olives, il y a un truc qui arrive. C'est la loubia, qu'est-ce que tu racontes ? Il y a un truc qui est déjà arrivé, même, c'est une dingue. Ah, ça, là, ah putain, t'as ton bol avec toi ? Vous avez même pas vu ? Je suis en besoin de se former, t'es en train. Attends, laisse-moi goûter, vas-y. Passons le bol, vas-y. Passons le bol. Oui. Bien vu ? Attends. Vous savez déjà si vous allez demander. Jamais. C'est bon ça, oui, barrière et puis la moindre Hanouna morte dans le truc, je t'encule. T'as dit quoi ? T'es mort. Allez, donne-moi ça la putain. Non, attends, mais. Ça. Je suis malade un peu en ce moment, je suis malade. Pas de quoi. Désolé. Je vais t'enculer. Désolé, frérot, désolé. On sort le 9mm, ça, que t'as pas compris ? Non. Prends-le. Ok, yo. Votre droite, s'il vous plaît. À ma droite, ok, vers le sud. À votre droite avant que tu te prennes une grosse droite dans ta gueule. Non, c'est quoi ça ? Ok, du coup. T'as dit quoi ? Non, c'est pas parlé fort. Ok, je suis en train de surveiller. Attends, je prends le cuir de Elmorgen. Du coup, à ma droite. Encore ? Ouais, prends des forces. Tu veux du diabète ou quoi, sale tarba ? Attends, juste une dernière, t'arrives. Mais préparez déjà vos véhicules et tout ça. T'es mal, les gars, sur la boîte de Elmorgen ? Qu'est-ce qui est écrit, les gars ? Ne t'inquiète pas, il y a écrit. Bah, dégagez déjà la. C'est bon ! C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas, frérot ? Ok. C'est du bon. Je vous laisse sortir bon. L'otage et on va commencer à retirer les barrières. C'est bon. Un otage, s'il vous plaît. Et voilà. Ok. J'y vais. Bon, il se passe bien le pestacle ou pas là ? Sinon, pour l'instant, je suis en train de farger le petit. On s'est remis en s'il est temps. 1, 2, 3. Ouais, allez-y, bah, monsieur ouais. Ethan, allez-y. T'as retardé une seconde, allez, je suis à quoi là ? Je suis en train de manger mon pot de Alborgen. C'est pas le moment de manger là, retourne-toi, regarde-moi dans les yeux. Désolé. 1, 2, 3. Monsieur ? C'est bon. Très bien. Parfait. Dis top pour revenir. Ok, très bien. C'est donc, nickel. Pour le dernier otage. T'as validé pour mon test de surveillance avec cet enfoiré. Ouais, vous inquiétez pas. Et quand vous partez, il reste là ? Exactement, ouais. Donc il monte pas dans le véhicule, on est bien d'accord. Mais non, jamais de la vie. Je crois pas, super. Tu crois on est des petits ou quoi ? Bah, je peux si tu veux, après tu peux le prendre et on peut. Tu crois on est des. Moi, c'est pas pareil, j'ai une recul, je t'entends pas là, c'est recul. Pardon, désolé, c'est un peu en barre. T'es titré en tant que négociateur ou non ? Non, t'as raison. Ok, désolé. T'as envie d'intervenir, c'est pas aujourd'hui. Oui. Super, Edo. Oui. Dites-moi quand du coup vous souhaitez partir. C'est pareil. Qui ? Il est à l'intérieur. 4 mois de transformation. Non mais les gars, c'est une transformation physique où je peux manger. Les gars, c'est. Ah putain, je suis grave malade, j'en ai marre, voilà. Non, demain c'est le dernier jour, je pense. Hein. C'est une transformation physique, les gars, mais je fais ce que je veux. Oula.
Enfin, ça va se réveiller demain avec genre j'abuse pas quoi. Yo, t'arrives pas à te remettre ou quoi, Mike? Tu prends du miel? T'es malade toi aussi? Ouais, bah oui. Même moi, je suis malade. Elle est pétée, ma voix, laisse tomber. Yo, pareil, moi aussi, j'étais malade. En 5 jours là, ça va un peu mieux. Mais la même là, c'est nagri. En fait, c'est... Allez, ça fait tout le monde. Bouché, mal à la tête, fièvre. Allez, ça fait everyone. C'est le Covid, ça, c'est le Covid, les mecs. Hein. Ouais, je pense vraiment c'est le Covid, vraiment. C'est qui a le Covid? Mais moi, le médecin, il m'a dit c'est Covid. Moi, je pense c'est aussi. Non, mais t'as pas fait le test, yo. Ça peut être des grippes aussi, faut. Ouais, il est de retour. Il a fait son comeback. Attends, je préparais les musiques, attends. Vas-y. Allez, 51. En tout cas, j'espère que vous avez attaché vous bien vos ceintures, hein. Parce que franchement, avec ce que vous allez voir... Bah pensez à attacher la vôtre, surtout, hein. Ah, c'est des menaces. Si vous non, si vous l'attachez pas, comment ça va se passer? Vous allez tomber du véhicule. Ah oui, moi je l'attache moi d'abord, mais vous inquiétez pas, c'est à propos de vous aussi. Parfait. Parce que là, vous avez les meilleurs pilotes face à vous. Pas, yo. C'est vous qui conduisez? Eh oui, c'est moi qui conduis. Dis-lui oui. Super. Vas-y, mon frère. Vous allez voir. Tu vas le faire, mon frère. Vous êtes prêts à partir, messieurs? On est prêts à partir, les gars, ou pas? Ouais. Okay, allez. Préparez-vous, les collègues, ça va partir. Ça va partir d'une vitesse, vous allez péter votre crâne. And a brand fraction brush. C'est un braqueur au milieu là. Non, c'est l'otage, c'est l'otage, c'est l'otage. Pas, moi j'ai rien fait. Ok, ok, ça marche. Vas-y, rafalez les otages. Tirez sur les otages. Wouh, ça swing ça. T'as failli gêner le scout. Hey. Bah oui, c'est moi. Ça se trouve, c'est de la bonne musique là. Putain, ça me fait plaisir quand je vois Kenji. J'oublie pas qu'il faut un vrai DJ dans ma chambre pour mettre faut claquer des doigts, ça swing. On monte sur un premier coup. Ça se voit, il a 35 ans, celui qui a mis ça. On emmène le Rukwuti et Maria 21. Ok, ok. C'est parti, on va tout péter. Wouh, tout péter. Yo, en tout cas, en vérité, le gars que t'as emmené là, tu vois, moi, je suis fier de lui, franchement. Il a gol. Oh la voiture! Oh la vache! Oh la vache! T'es doux, yo! Ça veut nous mettre des bâtons dans les roues! Ah ouais, ça veut nous mettre des bâtons dans tes cheveux! Ils sont déjà loin! Sérieux? C'est normal, il y a une voiture bizarre aussi! Gimme the night! On entend la musique! Technique du buisson! Ils sont en train de la musique! Ah, oh, sérieux, y'a la zik mu, yo! Allez hop, t'as un niveau de difficulté en plus! Allez, laisse-moi conduire un peu le big! Tu veux conduire? Ouais, arrête-toi ensuite. On a les deux pistolets, tout. Hein. Ah, l'ancien il veut conduire. Ouais, mais après, je te redonne le bon. Vas-y, laisse l'ancien. Vas-y, l'ancien, montre tout ce que tu sais faire. Wouh! Vas-y, Maji, fais-nous kiffer, yo! El Hez Mathieu, du haut de ses 60 ans, va-t-il réussir à conduire? Tu sais que Mathieu, avec la vieillesse, t'as du mal à conduire. Hein. Ouais. Le temps de réaction. Laisse-le se concentrer, enfoiré, laisse-le, yo. Non, c'est que. Non. Je veux pas mettre de pression, j'ai les deux pétards et tous les lingots. Il est très fort, hein. Pas porté là, mais ça là, il est très fort. Hein. Non, mais toi, tu veux être quoi? Tu veux être rebeu? Tu veux être bouddhiste? Tu veux quoi, toi? Ah non, c'est juste croyant, c'est tout. Écoute, Maïdji, tout à l'heure, il m'a dit, Jiyama, c'est pas trop, tu sais, tu t'es pas bien dans ta peau. Mais deviens ce que tu veux, mais pas un chicken, yo. C'est ce que je te demande, Maïdji. Non, t'inquiète pas un chicken, ça va être de la vie, ça pas ou quoi? Yo, on les mange, les chicken, on les mange. Ça fait plaisir. Alors là, on a failli manger une voiture à 300. Non, moi j'ai confiance en lui. Vas-y, mon petit chemin, fais-le un boulot. C'est fou, il y avait une époque où Mathieu se voyait sur internet, il s'entraînait l'après-midi. Hein. Ce fut un temps, effectivement. Yo. C'est comme le vélo, ça se perd pas, Mathieu. J'espère vraiment que tu parles doucement. Mais vraiment, parle doucement, ouais. Vraiment. Super, yo. Oh. Ah. Attention, hey. Marche arrière. Tu vas pas monter, recule. Ah non, c'est ça. Bon. Bon, sache que la voiture est extrêmement fragile. Donc là, le coup que t'as pris, ça l'a déjà pas mal affaibli. Ouais, oh non, les gars, la première gardave, les gars. La mano, il a cette chanson avec Gazo. On va l'écouter avant de dormir. Ça part, hein, qu'on se prend sur ta pied. Il sort de se réveiller. Sur moi. Donc je te mets les flingues là-dedans. Prends les flingues sur toi. Ici. Oh putain. Aïe, putain. Ah, c'est fini pour nous.
Ah, c'est la fin. Yo, il a niqué la voiture. Yo. Elle fume. Oh, il a niqué notre voiture. Bah alors. Aïe. Oh, il a niqué la turbo. Yo. Il a niqué la caisse. Hein. Yo. Aïe. Ah, ok. Les gars, on a la musique. Mais moi, je suis blessé. Ça veut dire, comptez pas sur moi non plus aussi. De toute façon, je pense que vous le comptez pas de base. Je suis à fond. Oh putain. Je suis à fond, les mecs, je suis à fond. Je crois qu'il y aura une voiture qui roule dans la rue. Hein. Ouais, vas-y, go. Je suis à fond. Vas-y, go. Ils vont nous rafaler après, non? Aïe, j'ai mal, non? Aïe. Super, ça, Mathieu, super. T'inquiète pas, ça va vraiment très doucement. Ouf. Va tout droit. Il passe avec la fugitive, yo, je savais pas. Bah, apparemment, ouais. Faudrait que t'aies une survoie là, il y avait des voitures derrière nous, dommage. Ok, attends. messieurs. Criminel, bande de criminels. Allez, réparer, allez, officier. Il va vous amener de quoi réparer. Ah ouais? Le collègue, il va vous amener de quoi réparer. Ok, merci. Allez, officier, si vous pouvez. Ah, bah, c'est bon, pas grave. Attendez, le plus amusant. Ouais, la vitesse, elle voulait pas passer. Yo, il roule avec le frein à masse, quoi, ce bordel. Vous allez au mécano. Je suis à fond, là. Merde, c'est normal. Bah, attendez, on s'arrête et vous nous tractez, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je sais pas si on va y arriver, hein. Allez-y, poussez-nous. T'inquiète, tu vois, moi, je t'en veux pas du tout, moi, j'ai. T'as la piste, t'essayes pas, tu peux pas y arriver. Le collègue il arrive, stationnez où? Putain, on va garder nos distances. J'ai un otage d'aventure juste ici, je veux pas au coup, yo. Bouge pas, connasse. Bouge pas, yo. Appelez-moi un réparateur automobile, je la plombe là, cette folle, je vous le dis tout de suite, yo. Y'a que deux places, Non mais t'inquiète, il va réparer la chambre. Ok. Très bien, tout va bien se passer. Reste là, bouge pas, Tarba. Bouge pas, je te dis, bouge pas. Reste là. Ça passe, ouais, salut, pas. Pas. Non, il tire à côté, il tire à côté. Je tire à côté pour lui faire peur. Je le tiens, yo. Ah, ok, je capte. Il veut réparer, ouais. Ouais. Il bouge pas, fumier, yo. Il bouge pas, vous inquiétez pas, il bouge pas. Au moins là, il bouge pas, c'est sûr là. Il s'en repose. Il repose sa tête sur la portière, ça lui fait du bien. T'as dit quoi, fried chicken? Vous voulez quoi en échange pour cet otage? Une réparation de la voiture. Réparation, très bien, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ils arrivent, ils sont là. Qu'est-ce qu'il fait, le jeune là? On a un otage et en essence, on veut réparer la voiture. On négocie une réparation, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Ok. Je vais le plomber, yo, je veux pas encore, je vous le dis. Mais non, t'inquiète Bernard. J'ai pas encore la chambre là. Je peux le dire, j'ai plus rien à perdre, hein, putain, yo. Vous voulez quoi là, les jeunes là? Une petite réparation, s'il vous plaît. Sur la voiture, ouais, faites vite parce qu'il va commencer à le manger là, il a faim en plus. Là, je suis en train de tamer l'ongle là, je vous le dis là. Non, mange pas ça. Je suis à l'apéro. Non, c'est pas bon pour toi, ça, là. Vous avez des compétences? Je peux dire un blaze. Bah, oui, compétences pour réparer un moteur, quoi. Après, incroyable. Non, mais faire c'est la rien, vidange, ouais. Tout ça. Non, mais là, c'est la durite de carburant qui a pété. Ah, ouais, reste, moi. Ouais, non, c'est rien. Non, arrête, c'est pas fait exprès, les gars. Allez, écartez-vous un petit peu quand même, les jeunes. C'est pas que. Attention à vous, les jeunes, la voiture. Allez-y, madame. Non, mais allez-y, j'insiste. Appelle-moi, Fils, ok, yo? Bah, marche, Fils, mais t'inquiète pas! T'as failli dire mon blaze, non, mais au cas où, yo! Non, je t'appelais Beat! Beat! Mr. Beans? Non, Beat! Beat? Ok. Fils! Ça me dit un truc, Fils! Ça me dit rien du tout! Oh, c'est les sensations, yo! T'inquiète, Magic! C'est les sensations? Ah, le feeling, c'est le Fils! Ah, quelqu'un a fait un rototo? Non, y'a pas de preuve. Ah oui, d'accord, le flic jusqu'au bout. Y'a juste la laine qui est une preuve, je pense. Y'a pas de preuve? Ah oui, d'accord. Ah oui. Il va avoir besoin de stats médicales, je crois, il a 30,
tombé dans les pommes là. Tellement il a peur. On a appelé les médecins, vous en faites pas, il va s'occuper, ouais. Monsieur, vous êtes assis sur son temps. T'as mangé quoi le M ce soir? T'as dit quoi? T'as mangé quoi le M ce soir? Mais tu fais avec vos bourrelets? T'as mangé quoi le M ce soir? Ah, j'ai mangé quoi? Ouais. J'ai mangé du poisson avec des pâtes. Attends, tu manges bien. Ça va bien se passer, mon petit otage. Allez. Merci. Écartez-vous du monsieur là. Ouais, c'est ça, attention. Mais ça, c'est quand t'es marié, tu manges bien. Bernard, j'ai pas les clés. Vas-y, mon loulou, vas-y. Bernard, il a mangé les clés, ce crevard. Regarde, il est resté posé le mec là-bas à gauche. Vas-y, regarde, tu veux conduire? C'est bon, ouais, c'est le bon. Le SMD arrive, monsieur, restez bien. Oh bah, mais vous l'avez écrasé! Voilà. Mais ça va pas. Oh merde! Oh là là, c'est fou! Non, mais c'est fou ça! T'as la nickel par toi! Ton as, là actuellement, c'est carrément Thomas qui conduit. On s'est explosé la voiture. Regardez la trace de sang, les gars. Regardez, les gars, la trace de sang. On est reparti pour un tour là. Vous l'aviez encore la trace de sang derrière? Je sais même pas où je vais. Vous fumez? Vous êtes vers où? Va vers les Vagos, Bah, mets-moi un petit. On va vous récupérer. Yo, comment ça, vous shootez? Ah, il vous tape dedans. Il a du sang jusqu'à. Vous rejoins, dis-moi à peu près, l'eau. Où est-ce que tu es, l'eau? Ah, j'ai mal à la gorge. Ouais, ouais, je vais à droite. Vers Vardog, ah putain. Vas-y, fais gauche. En fait, j'ai tout donné, les gars, sur le début de stream. J'ai tout donné. Là, gauche, non, ça fait rien. Essaye de venir vers l'ancien quartier Palace. Ouais, c'est exactement ça. Va à droite. Droite et va vers le Wardog là-bas. Tu veux conduire en les prenant tous, tu veux? Ah, ils sont. Ouais, on va tous les récupérer. Ouais, ils vont monter avec nous les deux là. Ils sont où là devant, à droite? Trois même. Ça. Vous êtes vers où? Vers où? On va être chargé, hein. Purée. Demi-toi, fais demi-toi, fais demi-toi. Quartier Vagos. Ah, donc c'est tout droit. Je vais peut-être te laisser conduire si jamais on est tous, parce qu'on pourra pas switch ou quoi, tu vois. Ah bah on pourra pas switch, ça c'est sûr. Ça, si, si. À gauche, à gauche. Va, cachez, va à gauche, va à gauche. À gauche. Fais toujours tout droit. Merci pour ce live, avec plaisir, les gars. Voiture, tu t'arrêtes. Tu veux ça va, les gars, vous avez kiffé le live, les gars? Gauche, là, ils sont là, Vous avez kiffé le live, les gars, ou quoi? Bah, c'est pas. Prends le volant, vite fait là. En vie. Grimpez avant qu'on pétarde tout le monde là, on va tirer sur tout le monde, yo. Arrêtez-vous. Ok, je me barre, je les laisse, je les prends pas, yo. La fugitive, reprenez la queue verte. Et on s'occupe d'elle. Mais qu'est-ce qu'il fait, yo? Allez, on se dépêche. Bah, tu envoies, yo. Et qui est sorti de la voiture? Je crois qu'il t'a fait un peu de frérot, le flic, hein. Non. Ah non, il a tiré la carrosserie, c'est bon. Eh, ils veulent pas les récup. Non, yo. En fait, c'est mort, ça. T'es où, tonton? Tu cours vers où? Prends du café. Quartier des Vagos? Mets du miel. Non, mais carrément, les. J'arrive. Je prends des cuillères de miel, carrément. Y'a de la place dans la voiture ou pas? T'as dit quoi? En fait, j'ai pas mal aux cordes vocales, mais en dessous, genre. On a pas de place la gorge. Dans la voiture, tonton. Je sens qu'elle est irritée. Nous, elle m'a tapé une fois, et puis le 4x4, il m'a frappé une fois. On est 4 ou pas dans la voiture? On est 4 ou pas, les petits? Les bronchites. Ouais, mais dans la voiture, on est 4 ou pas? Enfin, j'ai une bronchite. On est 3. En fait, on est. Y'a un dans le coffre. On est 4 ou pas? J'ai une bronchite. Ils t'ont eu? Oh non, vas-y, bisous. Non, l'angine, je l'ai déjà fait pendant ma grippe. Putain. Là maintenant, c'est la bronchite. Tu sais, c'est la fin de la maladie, genre. Putain, j'ai le démon, yo. En fait, c'est, je crois que j'ai le Covid, mais j'ai le Covid de hard, tu vois. Cadeau, hein, ça rigole pas. Moi, il déhaque pas. Ouais, il rigole pas ce soir. Hein. Je vais les boire en légende. Ouais, vas-y, bois-les. Allez, hop. Ça va être rapide, ça. Mon witch, il est où, mon witch? Bah, il est carrément attrapé, yo. Dans l'autre, tu revois. Ils prennent combien quand ils partent là comme ça? Mais ce soir, c'était des assassins, les flics, hein. Apparemment, même ils vont se manger un tirage électronique et tout, yo. Ah, c'est irrésistible là, donc ils vont subir, les pauvres, yo. Oh, donc. Mon Yui, tu vois, il est. Bon, c'est bon, tu es à l'arrivée. Ah, ils sont au fond derrière moi là. Ouais, mais ils sont. Là, tu te casses devant un buisson, ils te voient pas. Hein. Vraiment, c'est top là. Putain, bâtard. En plus, c'était à moitié vu là. Oh putain, yo. Les pauvres. Comment ça, les pauvres, yo? Les flics? Les pauvres? Bah, nous, les nôtres, ça va, ils étaient bien, mais apparemment, les autres. Ils ont carrément attrapé les tontons, yo. Ouais, les autres. Il a mis une balle dans mon capot, là, faut arrêter chicken, yo. Et en plus, c'est de l'avant-droit, ça coûte cher, ça, sans V1.
Dommage, les dieux. Putain, oui. Les tontons, yo, ouais. Ils nous ont rentré 15 000 fois dans le cul, je crois. Ah, ils vous mettaient des coups par choc. Ouais, ouais, mais à toute vitesse. C'est-à-dire que tu vois, nous on tournait. Ouais, nous aussi. Tu vois, quand on rentre dans un chemin étroit, en fait, bah. Le mec, il nous rentrait dedans dans le chemin étroit, tu vois, à l'arrière. Ouais, ouais. Ouais, non, nous Mathieu, c'est plus. Ils t'ont pris par l'avant, mais sans faire exprès, je pense. Ah non, nous, ouais, c'est vraiment l'arrière du véhicule qui nous ont tapé 15 fois. Ils ont anticipé, mais t'as vu, au lieu de bloquer, ils sont venus à fond. Ah ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont la dalle comme ça, ces enfoirés de chicken. Allez vous faire enculer, bande de bouchers! Bande de pilotes d'éléphants! On vous baisse! On vous baisse! Allez vous faire foutre, bande d'enfoirés! Bah après, on avait fini, mais c'est vrai que c'est sympa. T'as vraiment marqué mes tontons? Ah oui, non, il a cassé sa fenêtre, regarde, il a mangé la fenêtre là. Faut que je suis là pour enfiler des perles, ils prennent mes tontons, yo, j'ai rien dit moi! Ouh, le panneau, attention! Yo, mais t'as peur pour qui là? Bah ça coûte cher quand tu casses les panneaux. Je l'ai pas touché, yo. Il course avec les tontons dans la survoie là. Éteins les phares. Yo putain, faut comprendre la stratège, merci. Ouais, j'ai quelques tips comme ça, parti par là. Je comprends, yo. Attention. Bah, reste sur ton PC. Yo. Après, j'ai fait beaucoup de Assetto Corsa, donc ça veut dire peut-être que. Oh mon dieu. C'est pas vrai, mais. Comment? T'as vu comment il conduit, c'est un danger. Hein. Ah oui, non, totalement, c'est un. C'est un fou, hein. Et voilà. T'aurais pu le baiser. Mais oui, il aurait pu le ken, mais il le fait pas. C'est vraiment genre humiliant, ça. Oh, c'est... oh ça, c'est humiliant. Il t'avait pas vu, hein, vraiment. Yo, bien sûr qu'il m'avait pas vu. Ça a la couleur. Hayawan. Mais c'est ça qui est humiliant, c'est le fait de repartir. Il a fait un foutre l'enfoiré de chicken, yo. Tiens, t'en veux encore, allez hop. J'ai pris mes tontons, il mérite une dose, yo. Non, mais t'as raison, balance la sauce, mec. Après, t'as toujours les phares allumés, froid. Attention, le monsieur. Normal. On s'est fait exprès. J'ai pris un capotaré dans la bouche. Le pauvre, il a répondu. Regarde, là je vais aller à gauche, il va croire que je vais à gauche. Là je vais freiner maintenant, je vais aller à droite, il va anticiper, il va aller tout droit. Ah non, dommage. C'est ça, il l'a fait, il a dû freiner. Perdu. Oh, attention le poteau. Dans ta gueule, hop. Oh, ton match, c'est pas en base. Ouais, j'ai vu. Non, mais... Oh putain, même moi de regarder derrière. Il y a 3 voitures derrière toi. T'as vu, yo. Oh, les bâtards, yo. 3 voitures et une daronne sur ce trottoir, la pauvre. Et un deck, les 4x4, c'est du boucher. Bah, c'était un assassin, le mec avec la fugitive, yo. Ah, ouais, non, eux, vraiment, c'est des. Ils sont carrément pas là pour enfiler des perles, yo. J'imagine ce que ça veut dire dans la voiture de police. Ça doit être la guerre. Dans la guerre, c'est. Mais fils de pute, mais suis-le, putain. Il a pris à droite sa mère là. Pourquoi tu passes devant? Pourquoi tu passes devant, yo? Je ça fait deux ans que j'essaye de coincer, fils de pute. Ah le bâtard. Non. Lui, il connaît, lui, il a dû lui, dire, oh regarde, là. Je sais, il va être là. Lui, il traite sur TikTok. Non, il peut-être m'a vu en vrai. Je sais pas, peut-être. Non, mais là, il va être là, c'est sûr. C'est sûr. Alors, après, quand t'as tourné, on a regardé derrière, il était mort. Parce qu'il a connu, c'est la connaissance. Angle mort. Les angles morts, yo. Il va faire Kiri, hein, Kiri sort. Kiri sort ou Kirikou? Kazoumé? Kiri sort, Kiri. Ouais, ouais, sur Prime, tu sais, l'émission là. Ouais. Kiri rigole sort ou autre comme ah, ça. Ah, qui... LOL. Ouais, LOL, ouais, Kiri sort, ouais. Ouais. Qui va participer? Doumbé. Cédric. Il va faire des blagues. Les angles à moi. Non, t'as pas envie de faire des blagues en fait. Oui, bah, situation, ouais. Tu vois, c'est des situations. Tu vois. Il y a des jeux. Il y a des conneries. Après, des fois, c'est même hors jeu, hein. Tu peux faire rigoler la personne, hein. Non, c'est marrant cette émission. Faudrait que tu la fasses toi aussi, Mathieu. Ça va aller, merci. Merci, mais non merci. Mais yo, pourquoi? Proposer en fait de faire The Circle sur Netflix. J'ai d'un retour, j'aime bien. On t'a proposé ça? Ouais, et c'est Doumbé qui l'a fait à ma place. Je te jure, c'est vrai. Arrête. Voilà que c'est vrai, c'était il y a 2-3 ans. Mais fallait rester 30 jours dans un immeuble à Londres. Je dis non merci, ça va aller les mecs. Yo, ah ouais 30 jours dans un immeuble? Ouais, ils ont pété un câble là. Après, c'était bien payé ou pas? Je sais pas, j'ai pas demandé, ça va s'arrêter à non. Yo, c'est pareil, hein, y'a de fou. Ça y est, ils sont partis les flics. Ouais.
Non, c'est nous, on est parti. On a give it tonight. Yo, carrément de la funk dans mes oreilles, j'aime bien. Il y en a un yo. Qui fait The Circle. Et t'as l'autre, il a une question sur soi aux autres coups de midi. Oh là. Une émission de Hajj. Par mes choux. C'est bon, on est carrément arrivé, yo. C'est notre coup de midi. Bon combat, bon combat. Bon combat. Franchement, c'est trop sympa, j'ai kiffé. Franchement, là, c'est tout mouillé là. Ah, la personne donnée, Zadan Aki. Je vais cacher la turvoie. Tiens, Zadan. Tiens, c'est pas ça. Tac. Eh, pour la gorge, je te conseille le miel aphrodisiaque. Pour la gorge? Attends, on parle de gorge profonde ou on parle de gorge là? Pourquoi ce délire là? Il est fou. Ah là là là. Non, mais au moins ça marche direct quoi, c'est sûr. Ouais, j'ai déposé mes affaires. Mais de toute façon, dormir. Bien, bonne nuit, frère. Bonne nuit, incroyable, demain, Charles. T'as dormir, mais moi je vais dormir, je vais suivre après. Avec toi, t'inquiète pas. Moi, je vous le conseille au calme. T'es vraiment devenu un ancien. Comment on devient un ancien? Non, t'es vraiment devenu un ancien. Ah ouais, je suis devenu un ancien, frère. Ah oui. Bon, ça se passe, elle fait bien manger. Hein? Ça se passe, elle fait bien manger. Tu m'as fait bien bander. Elle fait bien manger. C'est toi, est-ce que toi, ta femme, elle te fait bien manger? Ouais, ça va. Hop, ta guille, au calme, là. Ça va. Bah, ça va, alhamdoulilah, c'est bien. Elle sert la salade. Que je m'occupe de la salade, moi, c'est que de la salade en ce moment. Ah ouais, t'as la pas, toi. Voilà. Non, parce qu'il faut que je maigrisse. Ah ouais? Ouais, tu voulais devenir comme. Grossi, ça va? Ouais, c'est un peu grossi, ouais. Ouais. T'étais en prise de masse, t'as pas vraiment grossi. Oh, en prise de graisse, ouais. Oui, bah voilà, la masse, c'est pour de la graisse, ouais. Devenir comme Big Dips. Ah bah. Vas-y, bah les gars, moi je vous laisse. Vas-y, bonne nuit, croyant. Yo, en tout cas, bonne nuit. Il dort chez toi, tu mens? Dors là-bas. Il dort là-bas, là. Ah, le que tru en attendant. Ouais. Bon, on se pète demain, les gars. Vas-y, beau gosse. Vas-y, à demain, franchement, merci, vous êtes des bons. T'as fait du bon boulot, Mathieu, c'est bien. Merci. Peut-être qu'on t'emmènera sur un deuxième coup. Yo. Ça marche, moi, si je préfère mes preuves, même s'il faut se mettre à poil comme tout à l'heure et tout, j'ai kiffé tout à l'heure. Écoute, nous, si on se met bien, on golaille sur le coup, on fait ça bien le boulot correctement et après on se tape des bien, barrios. Bien sûr, comme bien sûr. Ici. J'ai capté, bien. Bah non, c'est comme ça, les gars, de toute façon, ensemble. Vas-y, mais les gars. Par contre, va falloir que tu te prépares à quelque chose. Ouais. Tous les jours, c'est le bordel. Bien sûr. Ruina. Donc, c'est pas, tu crois, tu vas venir. Hey, les gars, on se fait une petite réussite. Non, y'a pas de. T'es capté. Mais si ça pète. T'es capté. T'as ce mal. Y'a pas. Bon, de temps en temps, on se balade, fais une petite Yves, comme tout à l'heure. Non, t'es capté. T'es capté. Mais tous les soirs, ça tape. Il faut faire entrer des housses dans le ghetto. Ouais, faire clairement. Mais là, on a pas fait grand chose, là. Ouais, on s'est régalé. C'était chill. Non, mais avec les lingots, là, on n'a pas fait grand chose. C'était chill. Ah non, là, on a fait que 167 lingots. Mais on fait une bijouterie la prochaine fois. En plus, on a un gaz. Vas-y, les gars, vas-y. Ouais, je pense, demain, moi, sur le coup. Ouais, demain. Vas-y, Stan. Vas-y, les gars. Pourquoi tu m'es mis sur le tarban, Max? Non, même pas, mais vas-y, les gars. Vas-y. En plus, en rentrant, c'est moi, vite. Skion. Je vais dormir ici. Attends. Non. Allez, c'est bon, toi, tu m'as énervé. Oh putain, je te vois plus en plus. Allez, toi. Oh merde, je te vois plus. Toi, tu m'as énervé, petite bâtard. À l'aise. Oh, Big Jeeps. M.I.G, faut pas me rendre dans cet état-là, après. Oh mon dieu, Big Jeeps. Je me sens mal, yo. Oh, putain, t'es plus comme avant, Big Jeeps, t'as changé. Je me suis transformé, là. J'allais te grimer, M.I.G. Le Big, viens, on fait des petits bracos, là. Aux pompiers, tout ça.